Hey, Matelot ici, Defroy, et aujourd'hui on se retrouve sur une énorme villa de luxe sur Minecraft pour en faire un tutoriel. Je vais vous montrer comment réaliser cette maison là du coup sur Minecraft. C'était une maison qu'on a réalisée du coup avec vous en live, du coup en live sur YouTube et sur Twitch, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch si jamais vous avez envie de voir tout ça, d'autres maisons que l'on fera en live aussi comme ça, qui se retrouveront encore une fois en tutoriel sur, sur YouTube. Moi, je vous fais un petit peu le tour du coup de cette maison. Hop, ici, vous voyez donc la taille. Je vous ai pas menti hein, quand je vous ai dit que c'était une grosse maison. Hop, regardez-moi ça. You, on passe sous le cocotier. Hop, voilà, donc ambiance très playa, ambiance vacances et tout ça. Regardez-moi ça. Hop, un gros parking avec une grande entrée qui est alignée avec l'entrée principale de la maison sur une espèce de skyline gigantesque, une fenêtre gigantesque. Et oui, et oui, il y a de l'aménagement intérieur carrément, je me moque pas de vous du tout. Bref, si vous avez envie de réaliser cette maison là avec moi, avec ses trois piscines et son jardin magnifique, etc., etc., eh bien je vous invite à suivre ce tutoriel. Voilà, donc j'enlève les shaders pour commencer, et c'est vrai que je vous ai pas montré, mais il y a une piscine avec un salon à l'intérieur de la piscine, creusé, hop, comme ça, dans le sol, enfin dans le sol, dans l'eau, hein, dans la flotte, et vous voyez, avec un mur d'eau qui entoure tout le salon ici, comme ça, avec le barbecue au milieu, parce que c'est swag, il y a même des fleurs à fumer, et tout ça, bref, on est bien. Si vous voulez réaliser cette maison là avec moi, du coup je vous invite à aller voir déjà le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Je vous ai mis tous les blocs principaux ici et hop, on va voir ça rapidement. Ok, une fois que l'on a ça, on va se retrouver sur les plans de la maison. Alors, comme la maison est un petit peu grande, on va devoir y aller par étapes, d'accord? Voici le plan global de la maison. Ce que je vous invite à faire, c'est de mettre au niveau du sol les blocs qui vont vous permettre de repérer les différentes parties de la maison. Ici, bien sûr, ça sera l'espèce de grand socle de la maison, ok? Là, ça sera le parking et l'entrée. Ici, un grand pot de fleurs, on va dire ça. La piscine avec le salon, bien sûr, comme je viens de vous le montrer. Ici, ça sera une deuxième piscine naturelle et une troisième piscine ici, là-bas. Ok, donc je vous invite hop, à réaliser ça déjà au niveau du sol sur votre parcelle. Une parcelle de 100 blocs par 100 blocs, il vous fera pour avoir cette maison. Et à partir de là, on pourra commencer. Donc, dans un premier temps, maintenant que vous avez les dimensions, hein, il faut vraiment avoir ça sous les yeux pour pouvoir commencer vraiment la maison. Sinon, vous allez galérer, croyez-moi. La maison était grande, hein, donc il faut vraiment être méthodique. Une fois que vous avez ça sous les yeux, ce que l'on va faire, hop, c'est que l'on va utiliser d'abord cette grande partie-là, vous voyez. Donc avec la route, hop. Toute cette grande partie là, on va vraiment s'occuper de ça d'abord. Après, on fera la maison et après, on fera la terrasse avec les piscines seulement. Donc, une fois qu'on a ça, on va monter les murs ici jusque là. Vous voyez, hop, à deux blocs de hauteur, donc à deux blocs de pierre lisse en hauteur. Donc, ici là, avec la ligne ici, ça fera le parking en réalité. Ok. Et donc on va mettre à deux blocs de hauteur tout notre parking ici, ok.
Hop. Voilà, une fois qu'on a ça, on va rajouter hop, des blocs à l'intérieur. Ok, et on recouvre vraiment toute la surface du parking avec de la pierre lisse. Ok, on va d'abord et tout de suite faire l'entrée de la maison, comme ça, ça sera fait. Donc vous avez ici une route hein, normale, ok. Et on va à partir du trottoir ici utiliser des dalles, donc des dalles en pierre, en blackstone poli. Ok, et on va les mettre sur 7 blocs de longueur, comme ça, donc 3, 4, 5, 6, 7. À partir de 7 blocs, on va les mettre à un bloc de hauteur, vous voyez, comme ça, avec une petite marche. Pareil, à 7 blocs de long, donc là, on est à 4, 5, 6, 7. Et les 7 derniers blocs qui nous restent, on va les faire, hop, à un demi-bloc au-dessus encore. Donc, on a vraiment une espèce de marche, comme ça, d'escalier. Et c'est ce qu'on va utiliser, hein, tout simplement. Et donc, on prolonge notre route comme ça, hop, ici sur la longueur, sur toutes les marches, hop, etc, etc. Une fois qu'on a rempli toute notre surface de notre route ici comme ça, on va venir prendre les dalles de pierre lisse, ok, et on va venir les mettre comme ça sur le côté de notre route. Hop, comme ça, de sorte que depuis l'intérieur de la route, on est vraiment un espèce de liseré en demi-dalle, comme ça, qui sont sur le côté de notre route, comme ça. On fait ça des deux côtés, bien sûr. Hop. Hop, ici, vous voyez, je mets deux dalles l'une par-dessus l'autre. On pourra rajouter des pierres lisses directement à la place, évidemment. Ok. Une fois qu'on a ça, vraiment, ça va être l'entrée de la maison. On va faire l'autre partie du socle ici, comme ça. C'est là que ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierres lisses. Hein. Il faudra avoir une production industrielle, si vous êtes sur un serveur en survie, par exemple. Donc, à partir de ce bloc-là, on va rajouter deux blocs en hauteur, comme ça. Et ce, sur toute la longueur ici de notre parking, vu qu'il va s'agir, en fait, de la partie du socle de la maison. D'ailleurs, pour préciser peut-être, parce qu'on m'avait posé la question en live, la maison comme ça est posée sur un socle surélevé par rapport au niveau de la route, au niveau du jardin, parce que comme ça, ça nous met la maison, hop, comme vous pouvez le voir ici, encore plus en hauteur par rapport à nous, ce qui donne un effet d'impression encore plus grande. Elle nous est encore plus impressionnante lorsqu'elle est en contre-plongée comme ça. Voilà, pour la petite info. Donc, vous voyez ici, cette ligne-là, pouf, qui fait tout le tour, on va les monter. Ça aussi à 4 blocs de hauteur, ok, donc toute cette ligne là, on s'occupe pas de cette partie là pour l'instant, hein. On fait vraiment, hop, tout ça, hop, et tout le tour là, ok, donc on a bien 4 blocs de hauteur de mur hein, sur tout ce socle là. Du coup, on va complètement boucher toute cette zone là, comme on avait fait avec le parking du coup, avec des blocs de pierre lisse. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser les dalles de pierre lisse, comme ça, ça vous, hop, si vous êtes en survie, voyez, comme ça, ça vous permettra d'économiser de la pierre lisse. C'est quand même bienvenu, on va dire, vu la quantité dont vous allez avoir besoin. Allez, on fait ça. Ok, une fois que l'on a ça, on va revenir du coup sur notre entrée, comme ça, de la maison, et on va faire l'escalier qui va nous permettre d'entrer dans la maison. Donc on va venir ici sur le côté, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs. À partir de 10 blocs, on creuse comme ça un trou dans le socle. À savoir que effectivement le socle est vide à l'intérieur, donc si vous voulez, vous pouvez créer des pièces en dessous encore. Bon, voilà, on compte la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on creuse tout ça. Ok. L'idée ici, c'est que l'on va aussi enlever une partie à ce niveau-là. Et on va venir faire un escalier. Hop. Comme ça. Donc, un escalier qui va venir, hop, sur deux marches de long. Enfin, sur deux blocs de long par marche. Hop, comme ça, hein, voyez. Hop, paf. Hop,
Ok, pareil ici, du coup, on enlève tout ça. Ok, donc on va voir cet escalier-là. Vous remarquez que vous avez des petits trous ici sur les côtés. Eh bien, il faudra tout simplement les boucher ceux-là aussi. Paf. Et... paf. Ok. Maintenant, on a notre escalier. On va utiliser les barrières de bois que l'on va venir mettre ici, là, par exemple. Et ici, avec des blocs de feuilles au-dessus. De 3 blocs de haut pour pouvoir avoir des espèces d'arbustes, de végétation sur notre parking. Hop, quitte à parler du parking, du coup, on va vraiment le finir avec des escaliers en diorite poli, ou des escaliers en diorite de manière générale, peu importe si elles sont polies ou pas. On va venir, à partir d'ici, compter 1, 2, 3 blocs, à partir du quatrième bloc ici, comme ça, on va faire une entaille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de long, par exemple. Hop, on va venir mettre les escaliers de ce sens-là. Ok. On va compter 1, 2, 3 blocs. Et à partir du quatrième ici, on va recreuser dans le sol. Et on va venir mettre des trous comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ce sont tout simplement des places de parking. Ok, comme ça, les voitures pourront se garer ici. Et si vous-même savez comment faire des voitures sur Minecraft, vous pourrez en mettre. Ce qui est plutôt pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté. On s'aligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, pas des escaliers à l'envers quand même. Paf. Paf, juste vraiment prenez bien soin de mettre le côté de l'escalier qui est le côté haut de l'escalier vers l'intérieur de la place centrale. En fait, vous voyez ici, il est de ce côté là et cet escalier de ce côté là. Comme ça, ça permettra d'avoir une place au milieu qui paraît un peu plus grande, ok, que les places sur le côté qui bénéficient de plus de blocs. Comme ça, ça équilibrera un petit peu les effets. Bref, une fois qu'on a ça, du coup, on va véritablement commencer la maison. Ok, donc, je vais vous donner exactement les dimensions qu'il faut pour pouvoir préparer le sol de la maison, ok? Je vous l'ai mis directement comme ça parce que je pense que c'est plus simple après pour vous pour pouvoir recopier ça. Hop, donc, je vais vous dire comment on va faire ça déjà. Vous prenez le coin de votre escalier à ce niveau-là, ok? Donc juste le coin de l'escalier. Et on va compter 15 blocs dans ce sens-là. Donc, ok, 15 blocs. Je suis ici, donc 14, 15. Et à partir du 16e bloc devant vous, vous posez votre premier bloc d'andésite poli, ok? Et donc, ça vous permettra de poser le coin de ce bâtiment-là. Ça vous permettra après de pouvoir poser tout le reste, d'accord? Je vais vous donner exactement les dimensions pour les réaliser. Une fois qu'on a ça, du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer, on va construire le grand, la grande tour en plein milieu, ok, la grande entrée de la maison. Donc on va venir prendre de l'andésite poli, comme ici, là vous voyez, et on va déjà faire un premier morceau de structure avec de l'andésite poli. On va prendre le coin ici, on va monter jusqu'à 24 blocs de hauteur comme ça. Donc on est à 1 bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 blocs, ok. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté et on va relier les deux piliers, hop, hop, comme ça, vous voyez. Donc on va faire ça comme ça, hop, on va faire la même chose sur les deux blocs de côté. Hop. Hop, ok, comme ça. Hop, on va monter ça tout jusqu'au plafond. Paf, ici. Hop, ok. La même chose au niveau du dessus, on met deux blocs en dessous. L'idée étant que pour la façade ici de la maison, vous voyez, on est trois blocs de marge de chaque côté. Trois blocs sur la droite, trois blocs en haut, trois blocs sur la gauche. D'épaisseur, ok? Pour faire le reste de cette partie-là de la maison, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà encadrer les trous ici, vous voyez? Donc on va mettre 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur et à partir du 5e bloc, on va relier l'autre partie ici comme ça.
Ok, comme ça, ça nous permettra d'avoir un repère. La même chose de l'autre côté, on va compter 5 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, et on va relier l'autre côté. Ah, c'est un peu plus long ici, hop. Hop, ici comme ça. Ok, on va faire la même chose que ce côté-là, ici à l'autre côté. Donc on va mettre ces trois blocs-là à 24 blocs de hauteur. Ok, hein, donc on fait exactement la même chose avec trois blocs de marge de chaque côté. Ok. Et puis ben, le reste, il se fait de lui-même quasiment. Hein. On relie les coins entre eux et vous allez voir que ben, après, il ne suffira plus que de faire du remplissage. Donc il vous faudra en fait énormément d'andésite hein, pour faire cette structure. Yep. Mais bon, vu la taille du bâtiment, de toute façon, j'imagine bien que vous vous doutez qu'il va falloir pas mal de pierres. Allez hop. Hop, vous voyez, donc vous reliez les deux coins comme ça. Et l'idée maintenant, c'est de tout simplement ne faire plus que du remplissage. On va remplir tout le toit ici en andésite, les côtés ici et de l'autre côté ici aussi. Et puis voilà. Ok, voyez donc ce que ça donne. Hein, donc vraiment un gros tas de cailloux. Voilà, posé comme ça. Donc on va réutiliser l'andésite poli comme ça. Ici là, vous voyez, donc on a un petit mur d'une dizaine de blocs de longueur. Il fait combien exactement? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, j'étais quasiment à 10. Ce mur là, on va monter ce mur là à 12 blocs de hauteur. Ok, donc là ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Attends, j'ai bien compté. Ok, c'est bon. Et donc on va hop, complètement. Youp, remplir ce mur là aussi de la même façon. Ok, allez, let's go. Ok, donc voilà le mur fini tout simplement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dessiner les différents étages de la maison. Ok, donc, et après seulement, on pourra utiliser les murs qu'on a mis tout à l'heure. Pour l'instant, vous y touchez pas, ça reste là, tout va bien. On va utiliser du coup les blocs de quartz lisses. Alors, vous pouvez utiliser des blocs blancs en réalité. Moi, j'ai utilisé des blocs de quartz parce que comme ça, on a des dalles et des escaliers qui vont avec. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser les blocs de neige, vous pouvez utiliser les blocs de laine, n'importe quel bloc blanc. Si vous êtes en survival, ça va vous coûter cher si vous faites en quartz. Mais bon, après voilà. Moi j'utilise du bloc de quartz lisse parce que c'est plus joli je trouve. On peut utiliser du béton, alors j'ai beaucoup de mal, voilà. Du béton aussi, ce que vous voulez. On va d'abord compter par exemple sur ce mur là. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et à partir du 6ème bloc on va mettre des blocs comme ça. Hop, sur 2 blocs de hauteur. Parce que c'est à ce niveau-là que l'on va mettre notre premier étage. On va avoir 5 blocs de hauteur sous plafond au niveau du rez-de-chaussée. Ok. Et notre plafond va avoir 2 blocs de hauteur. Ok. Donc, pour vous montrer là comment on va réaliser le premier étage, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai mis les contours pour le premier étage. Ok. Je vais vous donner les dimensions pour pouvoir bien les situer. Par exemple, ici, vous vous mettez face au mur qu'on vient de faire et vous laissez 6 blocs de hauteur ici comme ça pour mettre votre premier bloc ici et vous comptez 5 blocs du bord du mur, ok? Voilà, et donc vous avez ce premier bloc là. Vous en faites une ligne jusqu'au gros tas de cailloux qu'on avait mis tout à l'heure et après, vous pourrez faire cette forme là. Je vais vous donner les dimensions, bien sûr. Hop, ici, vous avez 7 blocs de marge à ce niveau-là, donc il faut compter 8 blocs à partir du bord du mur, et vous mettez votre premier bloc ici, ok? Une fois que vous savez ça, je vais vous donner les dimensions pour réaliser ce premier étage. Une fois que vous avez cette forme-là, ok, je vais vous donner les formes du premier étage sur l'autre côté de la maison, bien sûr, donc... le plus facile étant de partir de ce bloc là, ok, de coin là, ok, donc pareil, hein, vous laissez 5 blocs de hauteur sous plafond et vous comptez 4 blocs depuis le début, depuis le côté du mur, et vous placez votre premier bloc à ce niveau là, ok. À partir de ce bloc là, je vais vous donner toutes les dimensions pour pouvoir réaliser la maison, enfin l'étage, hein, tout simplement.
Ok, donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est que l'on va remplir la surface ici de blocs de quartz lisses. La même chose de l'autre côté de la maison, bien évidemment, ok. Donc on va aller, hop, faire tout ça. Ok, et la même chose de l'autre côté, bien sûr, hein. On remplit tout avec du quartz. Yep. Et voilà. Hop, donc maintenant qu'on a notre premier étage de mis, eh bien les murs qu'on avait mis au départ, vous voyez, hein, vous vous rappelez, donc le béton gris qu'on avait mis au tout début, eh bien maintenant ils vont nous être utiles vu que l'on va mettre les murs, on va construire les murs en fait en les faisant toucher le plafond. Hop, comme ça. Donc on les met jusqu'au plafond, on les construit jusqu'au plafond, comme ça, paf, etc, etc. Et vous voyez donc sur tous les murs de ce côté-là et de l'autre côté de la maison. Hop, vous voyez donc pour ce côté-là, ça donne ça. Ah, peut-être vu de l'extérieur. Ok. Et de l'autre côté de la maison, on va faire la même chose. Ok, voilà ce que l'on va faire. Enfin, ce qu'on a fait tout simplement. Alors... on va pouvoir mettre les vitres en place, hein, mais on peut aussi mettre les dalles, enfin les piliers, hein, comme je les ai dans la main. On va prendre les piliers, les murets, pardon, de Blackstone, ok, et on va en faire des piliers. C'est des choses que j'aime bien, en fait, que j'ai fait pas mal dans la maison, comme vous pouvez le voir, sur la maison, vous voyez, des espèces de grands piliers comme ça, au-dessus de préaux, enfin, qui font des préaux, du coup, au-dessus de terrasses. Vous voyez, même des grands piliers qui traversent plusieurs étages, comme des petits piliers ici, comme ça, qui ne font qu'un seul étage. C'est des choses que j'aime bien et qui donnent un aspect assez cool à la maison, je trouve. Évidemment, les piliers ont été mis en noir pour être le plus proche possible en termes de couleur des murs. Bien sûr. Vous voyez, ici, là, par exemple, on le fera juste après. Voilà, donc on va faire ça et on va prendre du coup... hop, le coin ici de notre première terrasse, ok, on va venir ici sur le côté et on va mettre un pilier. On va aller prendre notre terrasse ici. Alors là vous voyez que le coin du pilier, le coin de la terrasse, il est pas au-dessus de notre socle, donc c'est embêtant. On va venir ici au bord du socle, on va venir de un bloc vers l'intérieur et on va mettre, hop, notre pilier comme ça, d'accord, ok. On va aller là-bas maintenant, youp, tout ici. On va compter un bloc ici en diagonale à partir du coin. Paf. Et la même chose ici, là-bas. On prend le bloc du coin, on va en diagonale et on met un pilier. Ok. Il nous reste deux piliers à mettre à cet étage. C'est ici, youp. Vous voyez, donc la terrasse ici, on part du coin. On va un bloc en diagonale et on met le pilier tout jusqu'en bas. Hop, la même chose de l'autre côté ici, un bloc de coin en diagonale, pilier, bas, tout ça. Paf, vous voyez, ce qui est plutôt cool. Alors, une fois que l'on a ça, on va venir mettre en place les différents étages de la maison. On va d'abord mettre en place quand même les vitres, les fenêtres. Hein, bon, quand même, parce que sinon ça fait un peu d'aération. Alors déjà, première fenêtre que l'on va mettre en place, c'est vraiment celle de la grande partie, ici, là, vitrée. On va laisser 1, 2, 3 blocs sans vitre, et à partir du quatrième bloc, ici, comme ça, on va mettre, hop, des vitres, des glass panes partout, et ainsi que sur toute la hauteur de l'édifice. Donc comme ce sont des vitres toutes fines, comme ça, ça va être bien, bien galère et bien relou à mettre en place. Je vous dis de rien d'avance, hein, évidemment. Paf. Hop, hop. Le plaisir est pour moi. Bref, vous mettez ça, hop, comme ça, vous faites la même chose par derrière ici, hein, avec la fenêtre de l'autre côté. On va faire la même chose au niveau des fenêtres ici, là. Donc ici, ça va être une entrée. On va laisser 3 blocs de hauteur sous plafond. En mettant juste 2 blocs de vitre au-dessus, et ici par contre on va mettre des fenêtres entières, paf 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 paf, hop, paf paf paf, bref, vous avez compris le principe, yup,
Voilà, donc on met des fenêtres complètes. Les seuls endroits où on ne va pas mettre des fenêtres complètes, ça sera à ce niveau-là d'ailleurs. On va laisser 3 blocs de hauteur sous plafond. Hop. Et ici, tiens, d'ailleurs, on peut laisser une ouverture ici aussi. On va juste mettre 3 blocs de vitre ici, comme ça. 2 blocs au-dessus. Et hop. Vous voyez, on fait une vitre comme ça qui nous permettra d'avoir 2 blocs pour passer. Voilà. Ok, sinon sur toutes les autres fenêtres ici comme ça, on va complètement remplir de vitres. Ok, paf, 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 etc, etc. Donc ici, ici, et de l'autre côté ici, on va remplir de vitres aussi. Ok, donc sur l'autre côté du bâtiment, ça va être un peu plus simple. En fait, on va mettre quasiment que des vitres, des fenêtres partout. On va juste laisser ici, là, l'ouverture, hop, pour pouvoir aller dehors quand même. Paf, paf. Ok, sinon, cette partie-là et toutes ces deux-là, on va les mettre entièrement en vitres. La même chose ici de l'autre côté, on va mettre juste cette zone-là avec un accès à l'extérieur, hop, donc on va juste mettre 2 blocs de vitres au-dessus, et sinon toutes les autres fenêtres ici, comme ça on va entièrement les vitrer, d'accord? Donc allez, on fait ça rapidement. Ok, une fois que l'on a fait ça, on va venir doubler la hauteur du plafond. On va venir reprendre les blocs de quartz, ok? Et en fait, ce que l'on va faire, je vais vous montrer sur ma maison, c'est que vous voyez ici, chaque plafond et plancher de chaque étage en fait sont doublés. Il y a 2 blocs d'épaisseur à chaque fois. Et donc c'est ça que l'on va faire. Hop, pour vous montrer. Du coup, au niveau du plafond, vu d'un étage de dessous, on a du quartz. Et hop, le plancher du dessus, eh bien, c'est tout simplement du bois. Et c'est la même chose à chaque étage. Vous voyez, hein, ici on a du quartz. Et au-dessus, on a du bois. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Tout bêtement, on va doubler les bordures déjà. On va venir se mettre sur les bords. Et on va venir mettre, hop, une ligne comme ça de quartz. Pouf, sur toutes les bordures. Ok, comme cela, hein, ok. À l'intérieur, on ne met rien pour l'instant. On mettra du bois après. On va faire venir, on va faire la même chose. Hop, ici. Youp. On met des blocs de quartz sur les bordures. Ok, comme ça. Et donc, une fois qu'on a ça, on va venir prendre le bois de bouleau. Donc, voilà, en anglais, c'est birch. Hop, on va venir prendre les planches de bois de bouleau. Si vous êtes en survival, évidemment, prenez juste des dalles de bois de bouleau, hein, parce que sinon, ça va vous coûter cher. Et on va remplir toute la surface. Vous voyez, donc, ici, là, et de l'autre côté aussi. Comme ça, avec du bois de bouleau. Hop. Ok, donc vous voyez ce que ça donne, hein, comme ça. Voilà. Ok, donc on va juste faire un petit rajout au niveau de cet étage. Ok. Le petit rajout, on va venir à partir de ce coin-là. Ok. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. À partir de 9 blocs. On va aller à 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs dans ce sens-là, ok. Et on va compter 10 blocs dans l'autre sens, ici, comme ça. Donc là, on a déjà un bloc, ça nous en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va revenir comme ça, ok, comme ça. Youp, on enlève la partie en bloc ici, comme ça, et on va venir prolonger la partie en bois. Hop, 2... je sais plus comment ça s'appelle, de bouleau, voilà, du bois de bouleau. Ok, comme ça. Maintenant, on va faire un truc un peu stylé, enfin même carrément stylé, je trouve. Ça va être vraiment de mettre des dalles en fait devant les parties en quartz comme ça. On va juste avant ça, maintenant que j'y pense, mettre des escaliers en place. On a un escalier ou deux à mettre en place. Youp, vous voyez, on va utiliser de la brique de Blackstone, ok. Hop. Et on va en faire des escaliers qui vont venir jusqu'au premier étage, comme ça. Ça va être assez stylé. Alors, voilà, donc on en a un autre ici, ok. Ça marche. Je crois qu'on en a que deux pour aller au premier étage sur cet étage-là.
Donc, ce que je vous invite à prendre, ce sont donc des escaliers en Blackstone, comme je viens de prendre ici, comme ça. On va ici, ok. Et sur les 1, 2, 3, 4 premiers blocs à ce niveau-là, on va mettre des escaliers en Blackstone. Hop. Et on va les faire... Hop. Descendre jusqu'au bout du mur. Et vous remarquez un petit truc ici, c'est que le bord de l'escalier et le bord du mur coïncident. Ah ! Et oui, c'est fait exprès. N'est-ce pas ? Ah, je suis un génie, c'est magnifique. Bref, du coup, on met les escaliers comme ça. Très bien, on va aussi les mettre à l'envers parce que en dessous, ça fait mieux. Hop, ok. Paf, 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 paf. Et puis voilà, on a un joli escalier pour aller au premier étage. On va faire la même chose du coup de l'autre côté de la maison, comme je vous ai montré. You boing, 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 boing. Et on va aller le mettre ici dans le coin, là, vous voyez. Donc, hop, on enlève 4 blocs ici sur la longueur. Et on en met des escaliers en Blackstone à la place. Hop, comme ça, comme ça. Hop, voilà, et on les met... Pareil, sur 4 blocs, exactement tout pareil. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vous invite, c'est de vous munir des dalles de quartz lisse. Ok. Et ce qu'on va faire, comme vous avez vu sur le modèle, c'est que l'on va venir mettre des dalles ici comme ça, ainsi que au-dessus comme ça, et que l'on va faire ça sur toute la longueur de chaque étage. Ok, donc youp. Hop. Alors, vas-y, si j'arrive à cliquer où il faut. Ok. Ok, voilà. Et donc, on va faire ça un peu partout. Ici, là, comme on a un escalier, ce que l'on va faire, c'est que l'on va juste les mettre à partir de ce bloc-là pour laisser la place aux gens pour marcher sur l'escalier, tout simplement. Et sinon, sur tout le reste de la longueur de l'étage, ici, comme ça, on va vraiment entourer hop, toute la terrasse et tout l'étage de dalles. Hop. En quartz lisse, ok. Youp. Hop. Voilà, donc ça va relativement vite. Si on vole, bien sûr, parce que sinon, si vous êtes en survie, forcément, ça va prendre plus de temps. Et voyez ce que ça donne. Ça donne vraiment un côté... ça donne du relief, en fait, aux étages. Et c'est plutôt pas mal. Donc, on va faire la même chose ici, hein, surtout le côté ici. Donc, ici, comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul... un seul bloc et non pas deux, donc du coup on en mettra hop un bloc de quartz tout simplement sur le contour comme ça, voilà, et on fera tout le tour comme d'habitude, et la partie du dessous on fera juste ça, voilà, normal, et on fera tout le tour comme l'autre côté, hop, donc voilà, j'ai mis sur tout le tour et vous voyez que ça rend quand même plutôt bien. Ok, donc une fois que l'on a ça maintenant, eh bien on va faire le deuxième étage de la maison. Je vais vous donner toutes les dimensions pour pouvoir faire ça. Donc j'ai mis en place les bordures de l'étage du deuxième étage, comme ça, ok. Je vais vous indiquer comment placer le premier bloc. Vous allez exactement au-dessus de la ligne qu'on avait placée avant pour le premier étage, ici, ok. Donc là vous avez les dalles qu'on vient de poser. Hop, vous allez sur le bloc juste ici. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur pour placer votre premier bloc pour le deuxième étage. Ok, à partir de là, du coup, je vais vous donner le reste des dimensions pour réaliser le deuxième étage. Hop. Ok, on va faire la même chose pour l'autre côté du bâtiment. Youp, on se met ici, hop. Et on compte à partir de cette ligne-là, à partir de ce bloc-là, ok. 1, 2, 3, 4, 5, et pareil, sixième bloc, paf, de hauteur, ici. Et à partir de là, on va commencer à mettre, hop, le reste de l'étage. Hop, je vous montre ça comme ça, paf. Et, ok, donc une fois qu'on a nos deux bordures d'étages qui ont été réalisés, et bien tout simplement on va faire exactement comme ce qu'on a fait à l'étage du dessous, c'est-à-dire que l'on va complètement remplir la zone ici avec du quartz lisse. Si vous avez des dalles, c'est encore mieux parce que vous gaspillerez moins de ressources. Ok, on fait ça comme ça. Ok, une fois que l'on a ça, on va
doubler l'épaisseur des bordures. On va reprendre du bloc de quartz normal et on va mettre sur toutes les bordures. Hop. Alors, en évitant d'en mettre n'importe comment quand même. Hop. Ok. Et évidemment, à l'intérieur, ici, on va rajouter exactement ce qu'on a fait comme en dessous. Hein. On va rajouter du bois de bouleau. Hop. Ici, comme ça. Et une fois que l'on a mis donc tous les blocs de tout le plancher, finalement, on va reprendre encore une fois les petites dalles de quartz lisse, du coup. Et on va venir faire pas tout à fait le tour quand même. On va d'abord mettre un escalier aussi ici, donc il faudra enlever quelques dalles, mais ça on le fera juste après. Et hop, on va pas aller tout jusqu'au bout en fait ici, ok. On va laisser en fait 14 blocs du bout là-bas. À partir du bout ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et à partir du 15e bloc seulement, on mettra des dalles. Ok, vous allez comprendre pourquoi juste après. On met des dalles aussi au niveau du haut. Hop, comme ça pour faire le tour. Hop, voilà. Et on va continuer à mettre des dalles à l'arrière ici, comme ça. Ok, paf, paf. Non, alors comme ça, voilà, merci. Hop, voilà. Comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on laisse cet espace ici, là, comme ça? D'ailleurs, on va enlever ça ici aussi. Pourquoi est-ce qu'on laisse cet espace-là? Eh bien, en fait, c'est parce qu'on va mettre un mur qui va venir ici monter sur le côté et se confondre avec le toit de l'étage du dessus, en fait. Donc, on va directement faire l'étage du dessus de cette partie-là de la maison, maintenant, tout de suite. Donc, on va prendre ici le coin. On va le prolonger de 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur, ok. Donc, un bloc en moins que les étages précédents. 5, hop, et on va combler tout ce mur là, okay, de 5 blocs de hauteur. Ok. Une fois qu'on a ça, du coup, on va mettre le mur comme ça, tout simplement, vers le toit. Hop, on va le faire venir. Youp. Comme ça. Hop. Et hop, et on va venir combler tout le trou ici, là, avec du bloc de quartz classique comme on fait depuis tout à l'heure. Voilà. Allez hop, on fait ça rapido. Hop, donc une fois que l'on a ça, en fait, j'ai fait une petite erreur. On va reprendre les dalles de smooth quartz, ok, et on va enlever cette ligne-là. On va laisser ce bloc-là comme ça, ok, mais on va juste enlever cette ligne-là de quartz, et on va mettre des dalles à la place. Ok, comme ça, youp, ok. Et la même chose de l'autre côté, on va rajouter des dalles ici, pas besoin d'enlever de blocs, hein, ce coup-ci, hop, on enlève, oula, voilà, des dalles comme ça, enfin, on pose des dalles comme ça, et on va juste relier, hop, hop, ici, ça, comme ça, vous voyez, voilà, comme ça, au moins, on est bien. Ok, on va faire l'autre côté maintenant, du coup, hein, qu'on a laissé complètement vide, on va faire exactement la même chose. Je vous rappelle les bails, on met sur la première épaisseur des blocs de quartz lisse, du coup, ok. Alors, petit repère, du coup, vous devrez normalement arriver pile poil un bloc au-dessus du mur qu'on a mis ici, ok, pour être bien. Voilà, on remplit tout ça de blocs de quartz. Hop. Une fois que l'on a notre quartz posé, du coup, on va rajouter des blocs de quartz sur les bordures. Ok, youp, paf, et on met ça sur tout le tour pour pouvoir avoir après une place pour mettre le plancher en bloc de planche de bouleau. Ok, donc, une fois que l'on a ça, comme je viens de dire, hop, on rajoute les planches de bois de bouleau, hop. Ok, une fois que l'on a mis les planches de bois de bouleau, encore une fois, vous vous rappelez les bails, on va rajouter les blocs de dalles, bien sûr. Hop, pouf, paf, et on les met partout, comme ça, sur les tranches, en fait, sur les côtés de notre étage ici, comme ça, évidemment sur le bas, hein, comme je viens de mettre, et sur le haut ici aussi. Et voilà, on fait tout le tour comme ça. Ok, donc, une fois qu'on a vraiment fait tout le tour ici, comme ça, du coup, eh bien, on va pouvoir faire le troisième étage, carrément, directement, parce qu'en fait,
Vous allez me dire, on n'a pas mis des murs entre les étages ici. Mais en fait, comme vous pouvez le voir sur le modèle, eh bien, ce sont exactement les mêmes murs qui ont été mis à chaque étage. Donc, voilà, c'est pas spécialement compliqué. Donc, je vais faire directement le troisième étage, comme ça, au moins, on sera bon. Hop, voilà, donc j'ai mis les bordures pour le troisième étage. On va partir de ce bloc-là, en fait, pour dessiner vraiment le troisième étage, ok. Donc, il faudra bien placer ce bloc-là, parce que ça vous permettra d'avoir tout le reste de l'étage, hein, comme les étages en dessous. Ok, on va partir de 1, 2, 3, à partir de ce bloc-là, hein, du coin ici, ok. 3 blocs, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs sur le côté, et 1, 2, 3, 4, 5 blocs en hauteur. Et à partir de là, on mettra notre premier bloc ici, qui nous permettra de mettre toute la bordure du troisième étage. Donc, le troisième étage a un bloc de moins que les étages du dessous, ok, en hauteur. Ok, donc je vais vous donner les dimensions pour pouvoir réaliser, hop, cet étage. Et donc, une fois que l'on a ça, on va pouvoir remplir tout simplement notre étage ici avec du bloc... Ah bah non. Non, il faut utiliser du bloc de planche. Parce qu'en fait, ça sera le dernier étage, et comme c'est le dernier étage, en fait, on va juste utiliser un seul bloc d'épaisseur, hein. Il y aura, à chaque étage on mettait deux blocs d'épaisseur, ici ça n'aura qu'un seul, donc on va directement mettre du planche de bois de bouleau, ok. Voilà, voilà, hop, on met ça partout. Youp, une fois que l'on a mis du coup notre plancher plus exactement, on va revenir prendre évidemment, comme à chaque fois, les dalles de quartz lisse, et on va les mettre ici comme ça, sur le côté haut du bloc, hein, comme on avait mis, hop, l'autre côté. Youp, et on fait tout le tour. Ok, une fois qu'on a mis nos dalles du coup ici comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement en place les escaliers, les escaliers d'extérieur à la maison. Comme ça, au moins, on sera... Bon, on aura fait quelque chose, en fait, tout simplement. Alors, on va enlever quelques dalles, en fait, ici, qu'on vient de mettre. Alors, vous allez me dire, peut-être certains d'entre vous, « Ouais, mais pourquoi tu nous as dit de mettre des dalles alors qu'on doit les enlever juste après ?» C'est pour que ce soit plus simple à expliquer, vraiment. Je vais être honnête, hein, parce que vous dire, « Oh, faudra enlever des dalles à ce niveau-là et tout », enfin, bref, pour que ce soit plus simple. On va enlever trois dalles ici, comme ça, sur le côté, et on va voir après pour le deuxième côté. Et on va mettre des escaliers comme ça, en noir, du coup, en blackstone. Hop, de 3 blocs de large, hop, si je les place bien, hop, vous voyez, donc de 3 blocs de large l'escalier, en blackstone, et on va mettre aussi des escaliers à l'envers en dessous, hop, voilà. Et une fois qu'on a mis l'escalier comme ça, en fait, eh bien, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs, ici, pour enlever les blocs en dalles, tout simplement, ok. Pouf, on va reprendre les escaliers en blackstone, en pierre noire du coup, et on va les mettre ici là pour aller de cet étage là à ici. On va venir ici sur le côté et on va compter 1, 2, 3, 4, et à partir des 4 blocs suivants, ok, paf paf paf, comme ça, on va mettre de la blackstone ici comme ça, pouf, paf, pouf, paf, pouf, paf, pouf, paf, pouf, voilà. Et pareil, on les met comme ça. Alors par contre, l'escalier ici, il fait 4 blocs de large. Hein. Voilà. Pouf, 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 pouf. Très bien. Et une fois qu'on a ça, alors, vas-y, voilà, non, voilà. Très bien, on met des escaliers à l'envers comme on avait fait pour l'autre escalier juste avant. Youp, voilà. Comme ça, on a nos escaliers, c'est déjà pas mal. On va faire les murs maintenant. Hop, et on va reprendre le béton gris qu'on avait mis en dessous ici, ok. Donc l'idée, c'est de faire, comme vous avez pu le voir sur le modèle ici là-bas, c'est que les murs sont tous les mêmes d'un étage à l'autre. Comme ça, ben, on ne se casse pas la tête. Hop, donc on se met sur le côté ici du mur, et on va mettre les blocs de béton ici comme ça, en étant exactement la même, hop, chose qu'en dessous. Donc ici, on le met sur 3, 4, 5, 6 blocs. On fait des fenêtres après de 5 blocs de large avec des murs de 2 blocs de large après. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour la vitre. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2. Alors là, je crois que comme on a un balcon
et donc qu'on n'avait pas en dessous, on va faire des murs un petit peu différents. On va faire les murs ici de 4 blocs de large, ok. On va laisser une ouverture, on va pas compter comme ça, on va compter à partir de là, en fait. Vous voyez, donc on va prendre 2 blocs en diagonale comme ça, et à partir du 3ème bloc en diagonale, normalement on est aligné avec les autres ici, ok, très bien. Et on va venir mettre un mur ici comme ça qui va faire 3 blocs de large. Hop. Ok. Et donc on aura une ouverture ici de 5 blocs de large normalement. Une fois qu'on a ça, évidemment, on va hop, construire les murs. Hop. Et évidemment, à l'arrière du bâtiment, ça sera exactement la même chose. Voilà. Et alors, juste sur le côté ici là. Ok, c'est là où ça va être un petit peu différent. Vous voyez, on a mis un mur comme ça tout le long. On va faire la même chose ici. Youp. Hop. Et on va monter comme ça le mur. Ok. Et donc, vous voyez que ici on a un autre morceau, en fait, qu'on pourrait utiliser comme une terrasse. Si vous voulez l'utiliser comme une terrasse, vous pouvez. Hein, vous rajoutez un trou dans le mur ici et vous avez un autre balcon. Enfin, balcon-terrasse, en fait. Ou alors, vous faites comme moi. Hop, et vous utilisez des blocs de d'herbe et vous remplacez hop la partie ici hop en bois par de l'herbe. Et là pareil, certains d'entre vous dans les commentaires je pense pourront me dire pourquoi est-ce que tu nous as demandé de mettre alors du bois si on met de l'herbe au final. Bah déjà, vous pouvez garder le bois et faire une terrasse, tout simplement. Et puis, encore une fois, il s'agissait de simplifier les explications de la maison étape par étape. Parce que sinon, ça aurait été un peu long, un peu compliqué à expliquer, honnêtement. Déjà que la maison est pas petite. Ok, donc soyez indulgents, s'il vous plaît, dans les commentaires. Hop. Et si jamais la maison vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus aussi à la vidéo, parce que ça aide vraiment beaucoup au référencement de la chaîne YouTube et de la vidéo, etc., etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ok, une fois qu'on a mis notre sorte de pelouse ici, eh bien on va pouvoir faire, hop, de ce côté-là, la même chose qu'on a fait en face, tout simplement. Donc on va mettre des blocs, hop, ici comme ça. Vous voyez, parce que c'est exactement la même chose qu'en face. Pouf, on laisse 5 blocs de large au niveau de notre fenêtre ici, hop, on met un mur comme ça, et voilà, pareil, hein, on met à chaque fois la même chose qu'en face, paf, paf, paf. Alors là, il y aura une petite différence, ok, comme vous pouvez le voir, c'est que, ouais, non, en fait, on va faire exactement la même chose qu'en dessous, tout simplement, hop, voilà, et donc maintenant, on monte les murs au plafond, youp. Ok, une fois qu'on a mis les murs comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'étage du dessus, en fait, indirectement. Donc, on va venir prendre ce pilier-là, d'accord, hein, le troisième, ici, comme ça. Et on va faire la même chose au-dessus, paf, paf, ici, comme ça. Ok. Et, bah, la même chose, hein, qu'en dessous, paf, 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 youp, ici, là, on prolonge. Voilà, hop. Et, alors, du coup, dans la grande partie en bloc de béton gris qu'on est en train de faire là maintenant, on va mettre des fenêtres, en fait, mais des fenêtres qui vont pas être aussi grandes que celles qu'on met à côté ici comme ça. On va venir au milieu du mur et on va faire voilà une petite entaille. On va mettre 3 blocs comme ça, pourquoi pas, pour laisser un peu la lumière passer. On va faire la même chose, hop, à chaque étage. Ok, youp. Ok, et on mettra évidemment des vitres dedans. On va continuer notre étage ici à ce niveau-là. Hop, en face du coup, alors il faut que on se mette bien. Ici, on va mettre les murs et on va faire la même chose qu'en face bien sûr. Pouf, hop. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a l'escalier, du coup c'est un peu gênant. Alors, on va mettre des murs jusque là. Ok, donc 4 blocs ici. Et on va s'aligner, youp, sur la longueur là. Hop, jusque, hop, ici là comme ça. Vous voyez, donc ça c'est au niveau du plafond, le point de repère, c'est un bloc derrière la ligne ici. Ok, que l'on arrête le mur. Donc voilà, ici tout ce mur là, on va le, hop,
le boucher. On va juste mettre une petite fenêtre d'ailleurs. On va venir mettre une fenêtre ici qui va être... Voilà, on va laisser deux blocs à ce niveau-là et on va mettre une fenêtre de 4 blocs de large ici, ok. Voilà, hop, comme ça. Et ici, le reste, on le bouche, on met que du béton gris. Alors, si vous arrivez à placer où il faut. Hop, comme ça. Et par devant, ici, ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre deux blocs comme ça, de mur. On va laisser une ouverture ici de 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et à partir du reste, hop, on va mettre un mur comme ça, complètement, voilà, qui va bétonner tout le reste. Ok. Ah, j'ai pas mis... Youp, ce mur là. Ok, donc au niveau de ce côté là de la maison, ce qui nous reste à faire, ce sont les vitres, on les mettra après. Hop, donc voilà, on est à peu près bien. Youp, alors j'arrive pas, je regarde quand même vite fait si j'ai rien oublié. A priori ça a l'air d'être bon. Donc on va passer à l'autre côté de la maison. Du coup on va venir sur le devant comme ça, youp, on va descendre au premier étage, donc ça on les avait déjà mis, ça c'est cool. Pour l'étage du dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'escalier ici, hein. Évidemment il faut que l'entrée de l'escalier, en face à l'escalier, il y ait une porte, sinon bah, si on a un mur on passera pas. Donc on va mettre un escalier ici, un mur qui va commencer ici et ici. Hop, ok, ça nous donnera un point de repère. Hop, ici sur le côté on va mettre un balcon à ce niveau là. Donc on va avoir hop, bon, pas besoin de se préoccuper de ce qu'il y a en dessous. On va avoir des murs de 3 blocs de large de chaque côté comme ça, ok. Sur le côté, ok, on va utiliser 1, 2, 3, 4 blocs ici comme ça sur la longueur. Youp, donc ce qui nous fait un mur de 5 blocs hein, au total. On va laisser 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs de mur. Et le reste, ça sera de la vitre. Ici aussi, ça sera une vitre. Ok. Donc, on va faire exactement la même chose au-dessus directement. Donc, on va venir ici. Paf, 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 paf. Ok, mettre... Hop. Voilà. Les murs qu'il faut, voilà, ici. Ok. Pour le reste des murs, du coup, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre un mur qui va venir ici, sur la longueur, et on va s'aligner avec cette vitre-là, en fait. Cette vitre-là que vous avez à l'étage du dessous, elle va se retrouver aussi à l'étage du dessus. Donc on va s'aligner jusqu'ici, je crois... Non, jusque-là. On a mis un bloc en trop, ok. Hop. Ok, donc on va garder. Hop. Alors, le bord du mur ici, normalement, c'est deux blocs. Hop, comme ça. Ok, très bien. Ok. Donc, on a ça comme ça, hein. Du coup, exactement comme en dessous. Ici, on va laisser une ouverture à ce niveau-là, une porte, hein, pour pouvoir accéder à la terrasse, quand même, c'est plus pratique, parce que, hop, on va laisser 2-3 blocs de large, en fait, pour qu'elle soit à côté de l'escalier, pour que l'accès ici soit à côté de l'escalier, et qu'on ait derrière l'escalier un mur, parce qu'avoir une porte derrière un escalier, ça serait quand même pas très très pratique. Hop, on va laisser peut-être une ouverture ici, ouais, en fait, on va, hop, laisser une marge de 3 blocs ici, comme ça, et on va faire un mur qui sera... Hop, de 5 blocs de large. Hop, comme ça. Ok. On va faire la même chose. Hop, ici. Pouf, pouf. Aligné avec l'autre côté. Hop, voilà, très bien. Hop. Voilà. Bon, alors, il me semble, si j'ai pas fait de bêtises, que je n'ai pas oublié de mur. Je fais quand même le tour rapidement pour être sûr que, voilà, tout est mis. Il faudra mettre les vitres, évidemment, donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Et voilà, donc je pense que les murs sont bons. Hop, on va juste
utiliser des vitres évidemment et on va mettre les accès. Alors ici ça sera un accès, donc on ne mettra que deux blocs de vitres au niveau du dessus, ok, comme ça on puisse passer en dessous. Ok, là pareil. Ici là, ça sera une vitre complète, une fenêtre complète, donc on met de la vitre partout. Youp. Ok. Alors, boing, boing, boing. Ici, c'est un accès, donc juste deux vitres sur le dessus. Yop, comme ça, ok, juste devant l'escalier. Ici, pareil, c'est un accès, donc pareil, deux blocs de vitres au-dessus. Voilà, ici, c'est une fenêtre, donc on met des vitres partout. Ok. Là, pareil, fenêtre, donc vitres partout, etc. Voilà. Alors, du coup, c'est bon pour cet étage. Hop, on va à l'étage du dessus. Hop. Ici, là, il n'y a qu'une seule petite ligne de vitres de un bloc de large, ce que je trouve assez bien. Ici, c'est un accès, donc vous avez compris, bloc au niveau du dessus. Hop. On peut mettre ça comme ça si on veut aussi. Ici, pareil. Alors non, ici, ce n'est pas un accès, c'est un... Hop. C'est un fameux 3 mâts. Bref, fin comme un oiseau. C'est une fenêtre. Ok, youp, et ici pareil, là, ici et là, ce sont des fenêtres aussi, donc on met de la vitre partout. Voilà, ok, donc on en a fini pour ce côté-là de la maison au niveau des vitres, bien sûr, parce qu'on n'a pas fait les accès avec... Enfin, il y a plein de trucs qui manquent, mais voilà, on va faire maintenant cet étage ici. Ici, c'est un accès à la terrasse, ok, donc vitre au niveau du dessus. Hop, ici, fenêtre, donc... Voilà. Ok, ici, bah pareil, fenêtre. Alors, bah ici, c'est partout des fenêtres, sauf... Alors, fenêtre, 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 donc vitre partout. Sauf au niveau du bout, ici, ok, où on va mettre de la vitre, hop, comme ça. Hop, partout. Et sinon, tout le reste, ici, ce sont des fenêtres, donc vitre partout. Ok, donc, ben voilà. Alors, pour les... Pour en dessous, ici, là, bah, c'est que des fenêtres, hein, donc que de la vitre partout, ok. Youp. Ici, trois fenêtres à ce niveau-là, donc vitre partout. Et c'est juste ici un accès, donc on va mettre un accès égal. Voilà, je suis sûr que vous avez terminé la phrase de votre côté, sinon tout le reste, c'est des fenêtres. Et voilà ce que ça donne, donc... Eh bien, la maison avance, hein, on peut le dire. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va utiliser les vitres blanches, ok? Les vitres blanches comme ça, ainsi que les tapis noirs. Ok? Et comme vous pouvez le voir, ça va nous servir de bordure, de bordure de sécurité, comme on appelle ça, des barrières de sécurité pour les différentes terrasses et tout ça, qu'on va mettre partout. Et ça va donner vraiment un contraste à la maison qui est particulièrement intéressant. Ok, donc on va aller faire ça, on va en mettre vraiment partout. Hop, ici, là, par exemple, on va partir d'ici, hop, et on va mettre des vitres ici. On les met pas juste sur les dalles. Là, vous voyez, il y a les dalles en quartz. On les met juste un bloc derrière, hein. On les met pas dessus les dalles directement. Pouf. Alors, on va s'arrêter là. On passe pas devant la fenêtre quand même. Et on va reprendre ici. Et l'idée, vraiment, voilà, on va faire tout le tour. Hop. Un peu comme ça, et je vous montre pour un étage, hein, et après vous ferez pour tous les autres étages, c'est exactement la même chose. Hop, alors par contre effectivement il vous faudra une sacrée quantité de vitres blanches et de tapis, paf, que vous posez par-dessus comme ça, paf, 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 hop, youp, et vous voyez donc rien de sorcier encore une fois, pouf, pouf. Pouf, c'est pas parce que la maison est grande finalement qu'elle est si compliquée que ça à faire, faut juste être assez méthodique. Hop. Voilà, la même chose ici. Pouf, pouf. Et alors, attends, ah, j'arrête pas de mettre des escaliers, pas du tout des escaliers, des tapis les uns par-dessus les autres. Youp, 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 ok. Voilà pour cet étage-là. Alors du coup, pareil, hein, au niveau de l'étage du dessus, ça sera sur tout le contour ici comme ça. La seule différence, ça sera au niveau des escaliers. On va faire ça comme ça, vous voyez. Une fois que vous arriverez à côté de l'escalier, il faudra rajouter une barrière dans le sens de l'escalier. Comme ça, paf. Alors attends.
Ok, vous avez vos tapis comme ça, juste un tapis comme ça ici. Parce que ça fait mieux, parce que c'est comme ça, parce que c'est joli. Alors, une fois qu'on a nos barrières ici, hop, on les met jusque là. Hop, et voilà, pareil, on les met tout du long. Pouf, pouf, je vous montre vraiment autour des escaliers parce que, voilà, au moins ça sera clair. Vous voyez, comme ça, et pour le reste, vous mettez comme en dessous. Hop, comme ça, ok. Hop, ben on va reprendre la même chose ici, hein, au niveau de la terrasse, enfin d'une espèce de petit balcon, pouf, pouf, hop, voilà, et on mettra les tapis par-dessus. Ici, au niveau de là où il y a de l'herbe, on n'en mettra rien autour, parce qu'on n'est pas censé pouvoir avoir accès à cet endroit-là, donc pas besoin de barrière, en fait, tout simplement. Et là, pareil, des tapis, paf, 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 et pouf. Du coup, est-ce que ce côté-là de la maison est bon? Je pense que oui. Juste petit aparté d'ailleurs. Je vais reprendre les piliers en blackstone qu'on a mis ici, ok, les murets en blackstone, et on va les mettre, paf, ici comme ça. Vous voyez, on va partir du coin, et on va se mettre décalé de un bloc sur le côté. Hop, 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 j'ai dit, hop, voilà. La même chose de l'autre côté, on va, hop, laisser un bloc ici, hop, 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 et comme ça, on aura des piliers supplémentaires. Tout simplement. Ok. Une fois qu'on a fait ce côté-là de la maison, bah on va faire l'autre côté, tout simplement, hein, bien sûr. Youp, donc des vitres, youp, comme ça, sur toute la longueur. Jusque-là, ok, hein, basiquement. Ok, voilà. On va faire la même chose, d'ailleurs, au même étage. Il y a ici, là. Pouf, 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 pouf. On met des vitres comme ça. Hop, voilà. Plus des tapis, etc., etc. Hop, et au niveau du dessus, de l'étage du dessus, pareil, on met des barrières dans le prolongement du mur ici, hop, voilà. Et alors, la seule subtilité, ça sera autour de l'escalier, comme on avait fait pour l'autre côté de la maison, on va mettre des barrières comme ça, et de l'autre côté aussi, pareil. Ce qui fait qu'avec, hop, les tapis, on va pouvoir les mettre vers l'escalier comme ça, ce qui va un petit peu... comment dire, un peu souligner, surligner l'entrée de l'escalier, comme ça, tout simplement, à l'étage. Ok, voilà, on rajoute les tapis ici, rapido. Hop, voilà. Alors, maintenant que on a mis nos barrières un peu partout, on va utiliser les dalles, pas du tout, les escaliers en quartz, ok, en quartz lisse, toujours. Et on va venir ici, juste à côté de l'escalier, paf, on prend ce bloc-là et on creuse une ligne dans la dans le plancher, et on va même faire prolonger la ligne jusque dessous le la vitre ici, la fenêtre. On va enlever tout ça aussi, tiens, d'ailleurs, pof, hop, paf, et on va mettre en fait une espèce de pot de fleurs incrusté dans la terrasse qui va être bah, on va dire, pas trop mal. On va mettre des escaliers comme ça, hop, dans ce sens là attention à bien mettre le trou de l'escalier vers le plancher, hein. Pouf, ici, on va juste prolonger le mur dans le sol. Et là, pareil, on va mettre, hop, paf, 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 des escaliers comme ça. Ok. Et donc ici et là, on a un trou dans lequel on va mettre, hop, des blocs d'herbe. Ok, comme ça, ok. On mettra des arbres à pousser dessus, d'ailleurs. Paf. Paf, on va pas en mettre trop non plus, faut faire attention à pas mettre trop d'arbres, mais en mettre suffisamment pour que ça habille un petit peu l'espace quand même. Donc on va mettre des pousses d'arbres, mettons ici et là, on met juste deux, hein. Peu importe l'essence de l'arbre en fait. Le seul truc, enfin quoi, que peu importe l'essence de l'arbre en fait, pas forcément, regardez bien. Sur mon modèle, j'ai utilisé des arbres, des petits arbres générés normalement par Minecraft sur les terrasses, comme ça. Ok, et sur le jardin, on a fait carrément des cocotiers avec des palmiers, des palmiers cocotiers beaucoup plus grands. L'idée étant de donner un côté très vacances, très très tout ça, tu vois, plaisance, vacances à la maison. Et donc, si jamais vous mettez des arbres style sapin, tu vois, ici, ça peut casser un petit peu l'ambiance. Donc, il vaut mieux privilégier les arbres plutôt chauds ou normaux de Minecraft, vous voyez. Mais éviter les sapins ou les pins. Je crois que c'est, je sais plus si c'est les pins ou les sapins qu'on utilise. Enfin, bref, je sais plus. Bref, on va faire la deuxième, le deuxième pot de fleurs ici, là, dans le coin de notre troisième étage de l'autre côté de la maison. Donc, on va venir utiliser les morceaux de quartz
les escaliers en quartz. On va venir dans le coin ici, tu vois. Paf. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et à partir du 7ème bloc, on va creuser dans le sol. Jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de large. Et on va venir après comme ça sur toute la longueur. Hop. Ah oui, alors non, par contre, là, ça on le laisse comme ça. Et on va venir mettre des escaliers comme ça. Youp, ok. Et donc ici, là, tout ça, on va le remplacer avec des blocs de d'herbe. Ok. Alors, juste avant de mettre les arbres et tout ça, il faudra pas oublier d'utiliser les dalles, en fait, de quartz lisse. Ok, en dessous de l'étage. Parce que vous voyez, ben, à cet étage-là, on voit l'herbe, enfin, on voit la terre au plafond, ce qui est pas bien, bien joli quand même, hein, vous allez pas me dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des dalles en quartz, et on va venir en mettre une couche sur toute la surface du mur, enfin, la surface du plafond, au niveau du dessus de la maison. Comme ça, par exemple, sur toute cette longueur-là. Hop. Il reste encore une ligne du coup au-dessus des fenêtres. Donc on va remplacer la ligne qui est ici là par du bois, enfin par des escaliers classiques, comme on avait fait de l'autre côté. A chaque fois je casse le machin ici, c'est pas très très... Hop, voilà comme ça. Comme ça on n'aura pas d'air, comme ça on verra pas de terre au-dessus des fenêtres, ce qui est plutôt pratique. Ok, et donc, eh bien, une fois qu'on a ça, on va tout simplement mettre un maximum de dalles sur tout le plafond, comme ça, on ne verra, hop, plus que du feu. Vous voyez? Et donc ça nous fait une espèce de dalle comme ça au plafond sur cet étage là et bah, ça passe très très bien hein, finalement, vous voyez, c'est vraiment tout va bien. Donc du coup, une fois qu'on a ça, on va rajouter évidemment des arbres sur notre petite pot de fleurs géant. On peut en mettre 3 sur... C'est vrai que sur ma maison j'avais mis que deux, mais on peut en mettre 3, je pense, c'est pas spécialement un problème. Allez, il faudra juste éviter d'avoir des big trees, vous savez, quand c'est des arbres qui ont cette taille-là, c'est bon. Si vous avez des arbres qui sont très 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 grands, parce que des fois ça arrive sur Minecraft qu'on génère des grands arbres, il faudra les raboter parce que ça fera difforme dans la maison. Il faut vraiment avoir des arbres de cette taille-là. Ok, on va rajouter 2-3 autres choses. D'ailleurs, on va rajouter donc fougères lilas et quelques petits arbustes, ça marche. Donc, je vous invite à vous munir prestement de feuilles de fence gate, donc de barrières de chêne, ok, ainsi que de où est-ce qu'on trouve ça, de fougères de 2 blocs de hauteur, ainsi que des lilas, parce que c'est bien. Hop, on va utiliser pouf des petits arbustes comme ça. Allez, vas-y, voilà, merci. On va utiliser des fougères. Ok, on va utiliser des lilas. Pas trop non plus, il faut pas surcharger. Hop là, c'est vrai que j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Et après, entre tout cela, on va utiliser tout simplement de l'herbe assez classique. Ok, tout simplement, voilà. Hop. Mais encore une fois, avec parcimonie. Je sais pas qui c'est parcimonie toujours, mais... Apparemment, ça fait bien de dire ça. Donc, bon, bref. Hop, paf, paf. Et voilà, magnifique, n'est-ce pas? C'est normal, c'est moi qui ai fait, c'est normal. Donc, on va rajouter aussi des arbres ici sur le côté, sur la partie en herbe qu'on avait laissée tout à l'heure. Faut juste que je me... Voilà, que je récupère un arbre ici ou deux. Et donc... Hop, bonne mille, poudre d'os. En espérant ne pas avoir d'arbres trop grands. Voilà, très bien. Pareil, on rajoute un petit peu. Voilà, de bonne mille au niveau du sol.
Et puis ça passe très très bien. Vous voyez, on a quand même la maison qui s'habille de plus en plus. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup? Il nous reste à aménager les terrasses, le toit et l'intérieur. On va faire ça je pense. Alors, comme on le voit à l'intérieur de notre tour ici, c'est très très sombre. Je n'ai pas envie de faire des trous dans le plafond parce que du coup ça... ça ferait vraiment quasiment une serre en fait, tellement il y aura de vitres partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des grands grands lustres. On va mettre des lustres qui vont pendre du plafond, mais des lustres complètement pétés. Donc des trucs de luxe à donf. On va les mettre ici. Tiens, d'ailleurs j'ai oublié de mettre des... Attends, je mets ça là, juste... Je mets ça là juste pour me les rappeler. Hop, ici là, vous voyez, de cette terrasse là, on a complètement oublié de mettre les piliers en blackstone. Donc on va les mettre comme ça. Hop, donc on va partir du coin ici, on va aller à 3 blocs en diagonale, ok. Et on va faire, hop, le pilier comme ça. Le deuxième pilier, on va aller sur la ligne ici, sur le bord en fait de notre socle. Hop, et on va le faire monter jusqu'au plafond, comme ça, ok. C'est dommage parce que c'est quand même l'un des gros principes architecturaux de la maison d'avoir des piliers comme ça. Donc c'est vrai que je les ai pas mis depuis tout à l'heure. On a d'ailleurs pas mis les entrées à ce niveau-là ici. Tiens, faudra faire ça aussi. On va reprendre rapidement hein, les vitres ici comme ça et on va les mettre paf paf paf. Hop, surtout là ici. Hop. Voilà. Et ici aussi d'ailleurs, on va les mettre paf 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 paf. Ok. Une fois qu'on a ça, du coup, il nous manque des éclairages. On va mettre des lustres, mais des lustres de luxe, d'un luxe complètement pété, complètement démesuré, complètement génial. Même j'ai envie de dire. On va aller prendre à peu près le milieu entre les deux piliers qu'on a mis ici. Ok. On va venir au niveau du plafond et on va aller les mettre genre peut-être même ici, tiens d'ailleurs, ou ici. Ici ce serait mieux, donc à partir de 5 blocs d'écart par rapport au mur, ok, à partir du 6ème bloc d'écart on met notre chaîne ici. On va mettre une chaîne de, allez, 2 blocs, comme ça qui pend du plafond, ok. On va utiliser les 1 bloc de quartz ici comme ça. On va mettre, hop, des dalles de quartz sur les coins, ok, comme ça. En dessous on va mettre 4 6 lanternes, c'est pour ça c'est un peu cher, un peu comme lustre, on va pas se mentir. Hop, est-ce que si on met ça comme ça, ça passe bien? Ah, attendez, je vais regarder comment j'avais fait. Ah oui, non, ok, d'accord, j'avais mis une 6 lanternes encore en dessous, d'accord. Ok, donc on enlève ça, hop. Et on fait bien ça comme ça, ok, donc avec des dalles au-dessus et une 6 lanternes ici comme ça. Au milieu de la 6 lanternes, on met carrément une end rod parce que c'est pas assez riche, c'est pas assez luxe, évidemment. Et en dessous, on va mettre une vitre blanche. Ok. Voilà, faut se la péter un peu. Ça ne sert strictement à rien de mettre une end rod ici, parce qu'il y a déjà plein de lumière. Mais c'est luxe. C'est très luxe, c'est pour ça, c'est tout. Faut se la péter de temps en temps, c'est bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 blocs d'écart, 7 peut-être blocs d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'écart entre les deux lustres, ça paraît bien. On va rajouter la même chose. Paf, paf, je le refais avec vous. Pouf, 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 pouf. Donc, un bloc de quartz ici, des dalles dans les coins. On met en dessous des 6 lanternes, donc des lanternes de la mer. Ok, comme ça. On en met une encore en dessous ici qui tient une end rod et qui soutient une vitre blanche. Ok, donc ça c'est cool. On va rajouter un peu partout des lustres comme ça, partout là où c'est possible. Donc on va rajouter une ici aussi, vous voyez. Donc là il n'y a pas encore de terrasse, mais ça viendra par la suite. Donc on va à peu près au milieu ici là, je ne vais pas calculer exactement, mais c'est à peu près au milieu. On va laisser 4 blocs de marche par rapport au mur. On va rajouter aussi une hop, un lustre comme ça,
Voilà, paf, 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 paf. Voilà, comme ça c'est luxe. Alors du coup, on va rajouter encore des lustres comme ça à l'intérieur ici de notre maison. Mais avant ça, on va devoir utiliser de la diorite, des blocs de diorite classiques. En fait, pas des diorites polies, mais vraiment des diorites normales. Ouais. Je vais rajouter un petit peu d'éclairage quand même, parce que c'est vrai que sinon on va pas voir grand chose. Voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre bloc de diorite ici comme ça. On va venir sur le coin de notre bâtiment en haut. On va compter 1, 2, 3 blocs et même 4 blocs en fait. 1, 2, 3, 4 blocs ici comme ça. Et on va compter 1, 2, 3, 4 blocs ici. Et on met notre bloc de diorite que l'on va faire prolonger jusqu'à l'autre côté de la maison. Ce qui va nous faire en fait une poutre qui soutient rien du tout. Mais c'est une poutre quand même parce que c'est swag d'avoir une poutre qui sert à rien. Ça fait prout prout. Voilà, je cherche pas, c'est comme ça. Bref, on va compter 1, 2, 3, 4 blocs d'écart et à partir du 5e bloc, on met une nouvelle poutre comme ça. Et tous les 4 blocs, tous les 5 blocs, on va rajouter 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et tous les 4 blocs d'écart, on mettra des poutres comme ça, hop, parce que ça fait swag. Paf. Je sais plus si on utilise ce mot encore. Swag. Hop. Voilà. Ok. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien en fait, on va mettre des lustres entre ces poutres là. Par exemple ici là. Alors du coup on va essayer de mettre ça à peu près au milieu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs de large. Donc à partir du 3, 4, 5, 6e bloc, on est bien. On va mettre des chaînes comme ça qui vont pendre du plafond jusqu'à 2, 3 blocs en dessous des poutres, par exemple. Et on va mettre, paf, paf, la même chose à chaque fois. Paf, 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 voilà. Ok, end rod et vitre blanche, ok. Et donc voilà, on va reprendre ce même système là et on va les mettre, hop, tous les deux trous, on va laisser un écart de poutre à chaque fois. Et on va venir les mettre genre ici là par exemple, tu vois, après on va à ce niveau là, on les met ici. Après on va à ce niveau là et ce sera le dernier ici comme ça. Ok, alors la différence qu'on va faire à chaque fois, c'est que l'on va avoir des chaînes plus ou moins longues. Ici, vous voyez, on a deux blocs de chaînes en dessous des poutres. C'est le repère que je prends. Ici, si je retrouve la chaîne, elle est là. On va rajouter trois blocs. Hop. En dessous des chaînes. Donc ici, on est là. 1, 2, 3. Et donc, on va avoir quelques variations de hauteur pour, des lustres. Tout simplement. Ok. Je vous montre ça. Hop. Vous voyez, donc, ici, on a des légères variations dans la hauteur des lustres. Ok, c'est pour donner un effet de vague, un petit peu. Voilà. Hop, donc ça c'est bon au niveau du plafond. Et donc pour le reste de l'aménagement, on va rajouter beaucoup beaucoup de lumière. Je vais devoir vous expliquer. Hop. Hop, donc ici quand on est à l'entrée de la maison, vous voyez que sur le côté on a des end rods avec de la végétation pour faire de la lumière. Pareil, la fontaine au milieu, elle est faite en end rod aussi. Au niveau des espèces de balcons qu'on a à l'intérieur de la structure, on a pareil des luminaires sur le côté. Et des grandes ouvertures ici, tu vois. C'est ça que j'aime bien aussi d'ailleurs dans la maison, c'est qu'on a des passerelles qui permettent de passer, vraiment des ponts qui permettent de passer d'un côté à l'autre de la maison. C'est pas juste des couloirs, c'est vraiment des ponts quoi. Ouais, j'aime bien. Et donc voilà, c'est ce que l'on va faire. Donc ce que je vous invite à faire pour pouvoir réaliser ça, ce sera d'abord de faire les trous dans les murs pour qu'on puisse savoir où vont se trouver les différents balcons. Et après, on mettra les éclairages et puis les décorations quoi. Voilà. Hop, l'idée. Donc, on va à l'étage ici. Ok. On va prendre
notre mur en vitre. On va laisser un bloc ici sur le côté et on va ouvrir ici comme ça, en laissant un bloc de marge à côté du mur. Hop. On va enlever tous les cailloux qu'il y a ici. Ok, voilà. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, je me mets à hauteur pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Paf. Alors, où est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête ici. Ok, donc c'est vraiment exactement la même ouverture hein, qu'on va faire. Hop, à ce niveau-là. Voilà. Alors, au-dessus encore. Alors, comment on va au-dessus? Ici. On va faire une ouverture aussi. Pareil, on laisse un bloc de marge par rapport aux vitres. Voilà. Et on va faire le même trou de l'autre côté. Ah ben on peut pas. Donc je suis bloqué à cause du mur ici. J'ai vraiment envie que ça soit symétrique d'un côté à l'autre. Donc du coup on va... Hop. Oula. Je suis en train de tomber. On va reprendre... ça ici. Paf. On va reboucher une partie. Ok. Donc on a nos ouvertures dans les murs déjà, vous voyez que ça fait un peu plus de lumière. Donc voilà, là déjà on est content. On va venir mettre hop, des balcons ici comme ça, que l'on va mettre sur 3 blocs de large. Hop, ici comme ça. On va enlever les blocs qu'il y a ici. Et on va rajouter du bois sur tout notre petit balcon. Hop, voilà, on va faire la même chose de l'autre côté, du coup, paf, youp, jusqu'ici, paf, ok. On enlève tout ça, et on met du bois à la place, voilà. Hop, ok, et en fait, ces petits balcons qu'on a mis ici, ils vont nous être très utiles pour pouvoir mettre... évidemment de l'éclairage. Donc on va utiliser pour l'éclairage des end rods, donc des bâtons de l'end, ok, paf comme ça, ainsi que des plaques de pression, pas des plaques de pression, des trappes, comment on peut, elles sont où les trappes, des trappes en fer, ok, voilà, donc on va utiliser les trappes en fer et on va mettre des bâtons de l'end ici, genre comme ça, et tous les 3 blocs par exemple, mettons, hop comme ça, hop, voilà, paf. Paf, paf, ok, on va utiliser les barres de l'end ici comme ça, pouf, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, pouf, ok, la même chose de l'autre côté, paf, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, pouf, ok, et on va rajouter des feuilles par-dessus pour faire croire à des espèces de végétation pour habiller un petit peu l'espace tout en ayant de l'éclairage, parce que c'est ça un peu le challenge en fait dans cette maison là, c'est à dire que comme elle est très très grande, et bien c'est assez compliqué à éclairer mine de rien. C'est beaucoup plus facile d'éclairer des petites maisons forcément. 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, paf, ok, hop, ah j'arrive pas, voilà, à bien viser, paf, ok. Et donc vous voyez que là déjà on a beaucoup plus d'éclairage, on a beaucoup plus de visibilité. On va rajouter une petite fontaine, voyez-vous. Une fontaine hyper design, hyper prout-prout comme on aime. Alors on va utiliser escalier en quartz. Il n'y a pas des escaliers en quartz mais lisse ici. Voilà, on va venir la mettre ici là, genre à 4 blocs de l'entrée de la maison. Ok. Hop, hop, sur 5 blocs de large. Voilà, quelque chose comme ça. Donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de long. Ok. On enlève tout ça. Alors, c'est toujours aussi vide en dessous. Si jamais vous avez envie de faire des pièces en dessous hein, au niveau du stock, les creuser dans profondeur, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème avec ça, évidemment. On va mettre des blocs de quartz ici sur le côté.
Moi j'utilise des dalles, vous pouvez utiliser des blocs évidemment. Hop, 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 comme ça. Ok. Sur le côté ici, on va mettre des escaliers. Des dalles, pardon. Voilà. Et sur le devant, hop, et sur l'arrière, on va mettre des escaliers. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On peut utiliser n'importe quel bloc au niveau du fond de la piscine, en fait, du fond de la fontaine. Moi, je vais utiliser des diorites parce que je les ai sous la main. Vous pouvez utiliser du quartz ou n'importe quoi. Honnêtement, tant que c'est pas de la terre, tout va bien. Donc, on va utiliser des bâtons de land. On va venir les faire monter comme ça à 6 blocs de hauteur. D'accord ? Une fois que l'on a ça, on va mettre... Hop ! Hop, hop. Alors attendez, il faut réussir à... Voilà, faire ça comme ça. On va essayer de faire un petit anneau comme ça, avec des trappes en fer, et on va pouvoir essayer de mettre de l'eau à l'intérieur. Alors ça va... Je crois que j'avais galéré un peu quand j'avais essayé de faire ça la première fois, donc j'espère que ça va bien réussir là ce coup-ci. Hop. Oui, voilà, très bien. Et vous voyez que ça nous donne une fontaine qui coule des deux côtés en même temps. Je trouve ça plutôt sympathique. On met de l'eau au fond quand même, parce que ben c'est mieux. Voilà. On peut rajouter quelques nénuphars pour ceux qui ont envie de rajouter des nénuphars. Ou même des sea pickles, donc des cornichons de la mer, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça nous rajoutera des sources de lumière en plus. Moi, je dis... Si ça nous permet, voilà, on les camoufle par des nénuphars. Pas trop non plus, hein, de nénuphars, mais... Et vous voyez que là, d'un seul coup, on a de l'éclairage. Si c'est pas beau, ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer notre aménagement et d'utiliser des escaliers en bois de sapin. En bois de pin. C'est du sapin ou du pin? Du pin, je crois. Spruce, ma foi. Et ainsi que du coup, d'utiliser des blocs d'herbe. Hop, boing, boing, boing. Alors, on va s'espacer de la fontaine de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ok. On va mettre des escaliers à l'envers. Hop, hop. Hop, 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 hop. Comme ça, de la même largeur que la fontaine, hein, à savoir du coup 5 blocs de long comme ça, en plein milieu de notre maison. Hop, 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 hop. Hop, 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 espacer donc de 1, 2, 3, 4, 5 blocs par rapport au bout hein, de la maison ici de l'autre côté. Et on va vraiment faire un espèce de coffrage comme ça avec des escaliers en bois sur l'ensemble de la longueur. Hop. Ok, donc une fois qu'on a notre coffrage comme ça, ce que l'on va prendre, donc ce sont des blocs hop, d'herbe. Et on va venir les remplir ici comme ça. Ok. Ok. Et une fois que l'on a ça, on va pouvoir utiliser les end rods déjà d'une part pour pouvoir augmenter un peu encore la luminosité. Ainsi que les barrières de bois. Et on va faire des arbres qui vont nous permettre en fait d'éclairer la zone encore. Parce que ça manque un peu de lumière. C'est un peu toujours ça l'idée, c'est que vraiment, ici là, toutes les astuces que je vous donne, la fontaine, les espèces d'arbres sur le côté, ici les balcons, c'est vraiment des astuces pour donner de la lumière, pour créer de la lumière, des lustres et tout ça, parce qu'on manque de lumière là-dedans, et que ça se camoufle bien dans l'ensemble, que ça soit un aménagement qui passe bien quand même, tu vois, parce que si on mettait des torches partout, bah c'est pas terrible quoi, d'un point de vue, ça fait pas prout-prout dans l'idée. Bref, je parle, mais je fais pas grand-chose, donc je vais mettre... une ligne comme ça de barrières les unes par-dessus les autres pour faire un espèce de tronc. Et ici, on va faire une sorte de boule de feuilles. Hop, comme ça. Hop, 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 hop. Un petit peu désordonné. Qui vont nous permettre de faire tomber des feuilles comme ça vers le sol. Hop. Un peu comme ce qu'on appelle un saule pleureur. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément... qui s'y connaissent pas forcément en arbre, c'est juste un arbre qui fait tomber ses feuilles comme ça, voilà, vers le sol.
Et alors, c'est très très moche. Pour l'instant, voilà, ça donne un peu un truc comme ça. Ça va nous permettre surtout, en fait, de mettre des end rods dans le tronc pour pouvoir éclairer davantage. Et de la même manière, on va rajouter, hop, des sea lanternes, donc des lanternes de la mer, comme ça, du coup, des lanternes bleues. On va les mettre dans le sol, paf, à différents endroits, là où il y a de l'ombre, en fait, tout simplement. Et on va rajouter des feuilles par-dessus, hop, hop, parce que les feuilles étant un bloc transparent, ça laisse passer la lumière, du coup c'est pratique. On va reprendre un peu ce qu'on avait mis au niveau des différents, comment on appelle ça, des différentes terrasses, à savoir du coup des fougères et des lilas. Pouf, 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 paf, voilà. Et puis si jamais le corps vous en dit, vous pouvez rajouter quelques bonnes petites herbes. Hop. Ah, j'arrive pas à... Voilà, clac, 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 clac. Ah mince, clac, 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 voilà. Et bien, très bien. Et vous voyez que là, du coup, il n'y a plus de problème de luminosité. Ce que l'on va faire, on va rajouter un escalier, en fait. Maintenant qu'on a fini nos histoires... Hop, on va rajouter les escaliers, on va reprendre les escaliers en blackstone. Ok, on va venir sur notre balcon ici et on va venir mettre un escalier qui va venir tout jusque là. L'idée bien sûr, c'est d'avoir un petit balcon, hop, 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 comme ça, qui vient comme ça, d'avoir, voilà, ça, et que notre escalier, en fait, il arrive ici. Et j'ai plus mes escaliers. Ça, c'est bien ma veine. Hop. Pouf. Donc on va venir ici comme ça et on va essayer de mettre des escaliers, hop, qui passent bien. Alors en fait il faudra pas oublier, donc là c'est pas forcément top parce qu'il est un petit peu proche du bord ici, vous voyez, donc on va remettre les escaliers un peu plus loin, on va les mettre comme ça peut-être par exemple. Hop, petite astuce d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire des escaliers ou des ponts, ce genre de choses. Hop, et que vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez arriver avec votre escalier une fois que vous l'aurez fini. Ben, l'idée simple, c'est de partir de l'endroit où vous voulez arriver. Par exemple, ici je voulais faire un escalier qui aille de cet endroit-là à l'endroit au-dessus. Eh bien, je suis parti de l'endroit du dessus, comme ça je suis sûr que j'arrive au bon endroit, pour après revenir au niveau du dessous. Ce qui est plus pratique, c'est plus simple en fait. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, ce qui nous manque en fait, ce sont des passerelles. Ce sont donc les espèces de ponts en, voilà, en iron trapdoor, donc des trappes en fer qui vont nous servir de pont pour aller d'un côté à l'autre de la maison. Donc on va les faire comme ça. Hop. On va passer entre les lustres. Si ça c'est pour la classe. J'arrive pas à les placer où il faut. Voilà. Ok. Donc là du coup effectivement les deux, l'escalier et la passerelle se chevauchent. Donc il faut mieux faire juste ça comme ça. Hop. Au niveau du dessous. On pourrait faire une passerelle ici si on veut. Hop, mais vaut mieux la faire ici, il y a plus de place. Ok, paf, 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 paf. Ah, mais décidément. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a la possibilité de passer d'un côté à l'autre de la maison, on va pouvoir ajouter évidemment des vitres de sécurité, des barrières de sécurité à côté... Sur le bord des balcons, en fait, tout simplement. Comme ça, vous voyez. Avec des escaliers, avec pas du tout, avec des tapis noirs par-dessus, bien sûr. Alors, ici aussi, tant qu'à faire, paf, 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 paf. Oh, quoique, ici, il n'y a pas tellement besoin. Donc, des tapis noirs, comme je disais.
Ok, voici ce que ça donne hein, du coup avec les tapis. Hop. Et donc on est plutôt bien du coup, on a fini notre aménagement de l'intérieur de cette partie là de la maison. Alors, du coup ici sur l'intérieur de la maison, vous voyez que ça reste sombre. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser le même système, le même modèle de lampe sur partout dans la maison, lampe de plafond, parce que comme ça au moins ça sera plus pratique. On va venir utiliser tout simplement des barres de LED avec des trappes en crimson, donc je sais pas comment on appelle ça en français, mais des trappes de cette couleur là, voyez-vous. On va laisser 1, 2, 3, 4 blocs de marge entre chaque lampe. 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 4, paf, 1, 2, 3, etc, etc, évidemment. Hop, voilà. Et l'idée, c'est que l'on va mettre toujours en dessous des trappes en crimson, donc en anglais, je sais pas comment... Enfin, crimson, donc en français, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être mauve ou violet, quelque chose comme ça, vous voyez. Et donc, on va utiliser ce même système-là d'éclairage partout dans la maison, à chaque fois qu'on aura besoin d'éclairage. Ici, on mettra pareil sur la longueur, ok. Je vous montre pas, c'est exactement la même chose. Ici pareil, même si bon, pas tellement besoin d'éclairer vu que les fenêtres sont très très grandes, mais si jamais vous avez besoin d'éclairer vraiment pour la nuit ou ce genre de choses, la même chose. Le seul truc du coup, ça sera au niveau de cet étage là où ça va poser un peu problème, dans le sens que bah, vous voyez qu'on a des dalles au niveau du plafond, donc on peut pas poser directement les end rods comme ça. Directement sur les dalles, quoi. Il y a toujours un décalage. Donc, ce que je vous propose pour régler ce problème, hop, c'est de mettre les end rods directement collés à la terre. Et en fait, ben, effectivement, il faudra voir la terre. Il y aura de la terre au-dessus des end rods. 1, 2, 3, 4, paf, par exemple, comme ça. Et donc, voilà, bon, ça nous permet d'avoir de l'éclairage, tout en ayant camouflé un maximum de terre au-dessus, parce que je vous rappelle, juste au-dessus, c'est que de la terre. Donc, voilà, ça permet d'avoir... bon, ça, on voit de la terre quand même, mais bon, ça passe, hein, je trouve, faut pas être trop exigeant. Ce qui nous reste à faire, du coup, ce sont les... terrasse, et après ça on fera les piscines et le jardin, donc on n'a pas fini quand même non plus, on va pas se mentir. Donc il nous faut faire les terrasses, le toit, et je pense que pour la maison on sera bon, on pourra faire les terrasses après. Je vérifie quand même si j'ai rien oublié, mais à mon avis ça c'est bon. Pour les terrasses du coup, on va utiliser, hop, des dalles en bois de sapin. Ok, comme ça, c'est du pain, mais j'appelle ça du sapin, voilà, du pain, du sapin, du Toblerone, tout ça pour moi c'est pareil. Alors, on va utiliser aussi de la neige, ok, donc sapin et neige. Et vous allez voir, on va aussi utiliser, tiens d'ailleurs maintenant que je me rappelle, des pots de fleurs. Et vous allez voir, on va faire un truc stylé de ouf. On va mettre... disposer de cette façon là des dalles de sapin. On va prendre de la neige, on va mettre 1, 2, 3 couches de neige à côté, ok. Ici on va mettre 1, 2, 1, 2, 1 et 1 couche de neige à chaque fois, un petit pot de fleurs à côté, et paf, ni une ni deux ni deux, ça nous donne un transat pour bronzer avec le petit cocktail sur le côté ici, tu vois, ou le petit café ou cappuccino au vu de la tronche de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est pas du génie? Sans déconner. C'est magnifique. Moi, j'appelle ça des bronzates. Ma appellation personnelle. Voilà. Donc, paf, paf, paf. On remet ça. Je vous montre un peu l'extraordinaire. 1, 2, 3 blocs de couches de neige ici. 2 ici. Et 1 ici. Hop. Le bronzat dans toute sa splendeur. Magnifique. Incroyable. Superbe. Ah oui, je me jette des fleurs de ouf, hein. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, on va aussi faire des... Voilà, des tables, je ne me rappelais plus comment je les avais fait. Avec des dalles de diorite, du coup. Des portes. Et des pellicules de neige aussi, pourquoi pas. Ok, ça marche. On va venir reprendre, du coup, nos dalles de sapin.
Hop, tu vois. On va les faire. Voilà, on met deux blocs de sapin ici, comme ça. On met des dalles, hop, comme ça. Donc, qui tiennent au-dessus, hein, avec un espace avec le sol. Et on va mettre, du coup, des dalles de diorite, un peu comme ça, tu vois. Paf, paf. Décalé parce que ça fait prout prout. Yup. Et on met des portes comme ça en chaîne noire, en chaîne sombre, pour faire le dossier de la chaise. Ok. On va rajouter devant, hop, les sièges du coup des pellicules de neige pour faire croire à ce qu'il y a quelque chose, que ce soit une assiette ou un magazine ou quelque chose, peu importe. Et ça nous habille un petit peu notre terrasse davantage. Et l'idée, c'est que l'on va reprendre exactement la même façon de faire sur toutes les terrasses. Je vais vous montrer. Voilà, sur toutes les terrasses, on va utiliser la même chose. Des bronzates avec une table. Voilà, bronzate, table. Hop, bronzate, table. Enfin, bronzate, table plutôt. Etc, etc. Ce que l'on va rajouter juste en plus au niveau des terrasses, c'est vraiment des pots de fleurs. C'est pas des pots de fleurs. Des arbustes, comme ça, donc avec une barrière en bois et des feuilles par-dessus sur le côté des terrasses. Comme ça, ça nous donne un petit côté, ça nous donne de la végétalisation en plus, une petite touche de verdure, ce qui nous permet d'habiller un petit peu plus la terrasse. Ok, on va rajouter ici comme ça, tu vois, genre, hop, pas trop non plus, hein, pas en abuser, mais c'est vrai que ça habille bien l'espace qui pourrait paraître vide si on n'utilisait pas ça. Vous voyez, donc voilà, je vous ai montré ça, on utilisera ça partout, ici, 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 partout. Alors maintenant, ce qu'il nous faut faire, on va reprendre l'andésite poli, on va aller hop ici comme ça, hop, et on va faire dans l'alignement ici comme ça quelque chose comme ça. Ça va nous servir de cheminée. Carrément, oui, carrément. On va venir même mettre un bloc par devant comme ça. Pouf, on va venir mettre un trou. On va prendre de la netherrack. Ainsi qu'un... Hop, un briquet quand même. Ok. Alors faites attention parce que comme vous avez le plancher en bois, de bien faire votre cheminée parce que sinon il y a... Bah ça va prendre feu. Hop. Hop, voilà. Et puis après, évidemment, on va creuser dans le plafond pour faire continuer la cheminée. Mais au départ, on va faire ça comme ça. Ok. Donc on entoure bien notre cheminée comme ça. Ok, on va utiliser des vitres. Hop. Voilà. À mettre devant la cheminée. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose de prout-prout en faisant comme ça? Ouais, hein, ça fait prout-prout. Voilà. Voilà, ça c'est bien ça. On aime le prout-prout. Alors, ça du coup, on va le prolonger. Hop. Sur la terrasse ici. C'est pour ça que j'ai fait des repères à ce niveau-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 blocs. J'ai fait 6, ok. Et on va vraiment faire en sorte que notre cheminée... on l'a fait jusqu'à quelle hauteur la cheminée d'ailleurs? Je saurais même pas dire. 8 blocs, ok. Donc 8 blocs de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc voilà, on fait une petite tour en pierre de 8 blocs de haut. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va rajouter un deuxième foyer à notre cheminée, ok? C'est là où ça va devenir vraiment luxe et prout-prout et tout ce qu'on aime. Donc on va aussi utiliser les dalles de polished andésite, ok, comme ça. On va les mettre par-dessus ici. Et donc ici, là, on va rajouter de la netherrack comme on a fait en dessous. Hop. Du briquet et on met du feu là-dedans parce que c'est cool. Hop, alors attends, du coup, de la vitre, je vais prendre de la vitre ici. Et on met la vitre ici comme ça, ok?
Et donc, quand on s'éloigne un peu de la maison, vous voyez qu'on a vraiment deux foyers de cheminée à deux étages différents, et ça, c'est swag. Mais on peut faire encore plus swag. À savoir donc que l'on va utiliser les feux de camp. Hop, rien à voir avec la ville. Oui, je me fais des petites blagues comme ça de temps en temps, j'aime bien. Bref, on va utiliser aussi des trappes en bois de chêne sombre, en bois de Dark Oak. Ok. Et on va, youp, construire un trou ici comme ça dans la cheminée et on va mettre des feux de camp devant. Les feux de camp, bah, vu de l'extérieur, ça fait pas très très joli, on va pas se mentir. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser les trappes en bois, on va les mettre par devant comme ça, notre cheminée. Ce qui camoufle les feux de camp et on voit que la fumée au-dessus. On va mettre la même chose de l'autre côté pour donner un... Parce que c'est mieux, en fait, tout simplement. Parce que si on avait qu'une seule ligne de trappe sur le devant de la cheminée et pas à l'arrière, ça ferait peut-être un peu bizarre, tu vois. C'est comme ça que je fais, voilà. Et donc, vous voyez ce que ça donne un peu avec un petit peu de recul. Ça nous donne un petit peu plus de vie, en fait, dans la maison. Un petit peu plus de détails, un peu plus de vie, un peu d'animation, et je trouve ça bien. Du coup, on va passer sur des escaliers en andésite poli, d'accord? Ok, comme ça. On va venir sur notre, hop, sur notre préau ici, comme ça, face à ce mur-là, d'accord? On va creuser 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici, comme ça, dans le mur, et on va mettre des escaliers de cette façon-là, face à nous. Du coup, comme ça, on a un trou dans le mur en longueur, alors que à l'intérieur du mur, bah, on ne voit rien du tout. Hein. Ok, c'est ça l'idée. Bien. On va un bloc au-dessus et on fait 1, 2, 3, 4, 5 blocs de trous dans le mur, pareil. Et on va encore un bloc au-dessus et on fait 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. D'accord? Avec 3 blocs de décalage à chaque fois. Ok. Et donc ça nous donne des espèces d'encoches dans le mur qui nous fait qui fait un petit peu office de décoration. C'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le toit à faire. On va utiliser du coup, pour le toit, des stone bricks par exemple, wall, des murets en pierre, peu importe que ce soit de la cobble, de l'andésite, n'importe quoi, des murets en tout cas. Ainsi que des panneaux solaires, ok, des light detectors en anglais, panneaux solaires et murets, et on va venir en mettre, hop, sur le toit du coup évidemment, on va mettre une ligne comme ça de murets sur le sol, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs en longueur, ok, et on va venir rajouter par-dessus ça, des panneaux solaires, ainsi que par devant aussi. Ok, on les met en mode nuit parce que c'est vrai que bah, ça ressemble plus à des vrais panneaux solaires lorsque c'est en mode nuit, je trouve. Alors, maintenant que j'y réfléchis, on va peut-être décaler en fait cette ligne là que j'ai fait. Hop, voilà, juste un bloc par derrière. Alors attends, on va remettre des murets. Hop, vas-y, si j'arrive à les choper, voilà. Et on va mettre en fait deux lignes de murets comme ça, ok. Ce qui nous permettra de mettre deux lignes de panneaux solaires au niveau du sol. Et deux lignes sur les murets comme ça, ok. Donc on va tous les mettre en mode nuit. Hein. Hop. Et l'idée ça sera de faire exactement la même chose à côté. Hop, voilà, donc on va refaire ça. Deux lignes de panneaux solaires avec deux lignes de murets dessus. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Ok. Donc... maintenant, on va venir prendre nos dalles en pierre lisse, ok, comme ça, vous voyez.
et on va les mettre ici là sur la partie du toit à ce niveau là. Hop, genre ici, comme ça on va mettre juste des petits carrés en pierre lisse. Voilà, deux petits carrés comme ça qui vont faire penser à une aération ou à quelque chose dans ce genre là. L'idée étant vraiment de mettre quelque chose pour que ce soit pas complètement blanc, mais en mettant pas trop de choses non plus, parce que sinon ça sursature la maison. Si on mettait trop de végétalisation, trop de choses sur le toit, trop de décorations, trop de détails, en fait finalement ça passerait pas bien. Donc là par exemple sur mon modèle, j'ai fait comme je vous ai montré, et j'en ai fait deux comme ça, deux rangées de deux panneaux solaires. Ok, donc ici comme ça, et vous voyez comment la maison est faite avec notre cheminée, avec effectivement la végétalisation sur ce côté là, etc, etc. Ah oui, alors je me disais aussi si j'avais pas oublié quelque chose, effectivement j'ai oublié un petit truc. C'est que sur le côté ici là vous avez des coins qui sont peu éclairés, et donc effectivement ça serait une bonne idée de mettre des éclairages ici aussi. Vous voyez, ce sont sur ces coins là, ici et là, où il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Donc l'idée c'est de mettre des end rods dans les coins ici comme ça et là, hop hop, avec paf paf des éclairages, et ça nous permettra d'éclairer cette zone ici. Ce qui est plutôt pas mal. Donc du coup, je pense qu'on a vu l'essentiel de la maison. Évidemment, moi, j'ai pas mis toutes les terrasses parce que je vous ai montré comment les faire. Ok. Et donc, ce à quoi on peut passer maintenant, c'est vraiment... Ouais, c'est bon, on a fait. Hein. C'est vraiment au niveau du reste des terrasses, c'est-à-dire à cette partie-là de la maison qui, pour l'instant, est restée complètement vide, hein, comme vous pouvez le constater. On va commencer avec vraiment la piscine principale ici, avec le salon dans le sol. Ok, donc ce que l'on va faire déjà, normalement vous avez cette forme là au niveau du sol qui est bien placée par rapport à la maison. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous référer au début de la vidéo, au moment où on avait placé tout ça. Ok, donc moi je vais vraiment partir du fait que vous avez ça sous les yeux au moment où on commence. Ok. Donc, il faut vraiment avoir ces tracés-là. Une fois que vous avez ça, hop, on va venir prendre les blocs de pierre lisses. Ok ? Et on va venir doubler l'épaisseur à ce niveau-là. Et ici, là, sur la ligne. Ok ? Donc, c'est-à-dire que l'on va faire, hop, ça comme ça. Tout en pierre lisse, hein, je rappelle. Hop. Qui va nous servir, en fait, cette double épaisseur va nous servir pour mettre des murs en verre, en fait. Vous allez comprendre. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, d'accord, on va utiliser le bloc de béton bleu clair. Hop. Light blue, bleu clair. Hop, voilà. Bloc de béton bleu clair. Pouf. Et on va recouvrir toute la surface de la piscine, ici, là, du coup. Sauf à l'intérieur du carré, ici, bien sûr. Là où on ne va pas mettre de béton. On mettra que autour. Hop. Allez, on fait ça. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est que l'on va venir monter les murs de la piscine à 4 blocs de hauteur. L'idée c'est que l'on a la piscine exactement à la même hauteur que l'on est, la piscine exactement à la même hauteur que le socle de la maison. Ok, donc jusqu'à 4 blocs de hauteur, au-dessus du niveau du sol de base. Hop, 3, hop, et 4. Ok, donc on va vraiment monter tous les murs à cette hauteur-là. Sauf plusieurs murs en fait. Sauf autour de notre salon central, en fait, de la piscine, et sur ce côté-là, et sur l'autre côté en face. Là, on va pas mettre tous les murs, on ne mettra les murs en blocs de béton, pas de béton, mais de pierre lisse, que, du coup, sur les murs que je suis en train de surligner ici. Hop, jusque là, à peu près. C'est assez d'à peu près pour l'instant. Hop. Ce mur-là, ici aussi. Hop. Ici comme ça, même on va faire un bloc de plus. Hop, et comme ça. Ok. Donc ces murs-là que je viens de surligner, on va les monter à 4 blocs de hauteur. D'accord? Voilà. Une fois que l'on a ça, on va venir rajouter des renforts autour
de notre salon ici, de notre futur salon plus exactement, à ce niveau-là, ok? Hop, paf. Paf. Paf comme ça, d'accord? Ok? On va venir dans le coin ici, là-bas maintenant. Ok, on va partir du coin et on va compter un bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs, ici comme ça, que l'on va monter à 4 blocs de hauteur aussi. Donc là, 3 blocs au-dessus en plus de notre béton bleu. Hein. Ok, ici comme ça. On va venir ici, on va compter 1, 2, 3, 4 blocs et on va mettre un petit muret de 3 blocs de haut et de long. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir prendre les blocs de verre. Ok, les blocs de verre, donc en verre, hein, techniquement, même s'ils sont pas verts, ils sont transparents. Oui, mais c'est parce qu'on est le soir, voilà, j'enregistre là le soir, je suis fatigué, bref. Donc on va... Ah oui, alors ici, en fait, on va faire comme ça. On va faire une petite escalier. J'ai perdu mes blocs de verre, ah, bah ça, je suis malin. Hop. Ok, et on va venir, on va, ouais non, si on va laisser ça comme ça, par exemple, si vous voulez avoir un repère, vous prenez cette ligne là, et vous prolongez ici, vous mettez, voilà, votre escalier, soit pile dessus, soit un bloc sur le côté, voilà, pour avoir un repère. On se met à l'arrière de ça, on met un mur en verre décalé de un bloc vers l'avant, hop, comme ça, sur trois blocs de hauteur aussi, bien sûr, comme à chaque fois, toujours à la même hauteur. Hop, voilà, d'accord, l'idée étant d'avoir un mur de verre qui soit décalé légèrement par rapport à notre mur en pierre ici, histoire d'éviter les trop grosses connexions de texture. Là c'est un peu too much peut-être, hop, voilà, ok, donc on fait ça comme ça, on va faire ça ici aussi, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on avait doublé l'épaisseur hein, à la base aussi, c'est que on va utiliser... Hop, cette partie-là pour mettre un mur en verre. Hop. Hop. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir commencer le salon. Hop, ok. Vous voyez, on est fait comme ça. Alors, on va juste rajouter un truc ici. Paf, 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 paf. Ok, on va juste laisser une ouverture à ce niveau-là. Et normalement c'est bon. On va reprendre nos blocs de verre et on va faire le contour du salon, ok? Donc on va venir ici, hop, et faire des murs en verre qui vont, pareil, à la même hauteur à chaque fois, évidemment. Hop, hop, vous voyez. Voilà. Voilà ce qu'on a pour l'instant, d'accord? Donc pour pouvoir faire notre salon à l'intérieur, on va utiliser du coup les blocs de bois de pin. Yep. Ou de sapin, ben voilà, ces blocs comme ça quoi. On va venir tapisser le fond de notre salon ici, sauf les deux derniers blocs, ok? Ou les trois derniers blocs même d'ailleurs sur le côté, d'accord? Ceux-là on va les laisser tranquilles, hop. Pour le moment, on va pas les laisser tranquilles bien longtemps, hein, je vous assure. Youp, youp, youp. Ok, donc les blocs qu'il y a au fond là-bas, pourquoi est-ce qu'on les laisse tranquilles? C'est parce qu'on va rajouter, on va mettre de la terre en fait, tout simplement de l'herbe. Hop, youp, ok, et on va utiliser des dalles de cobblestone, oui carrément. C'est slab en anglais, hop, cobblestone, voilà. Pierre taillée, je crois, ou pierre cassée en français, quelque chose comme ça. Hop, et on fait un espèce de tour comme ça, qui est joli, ma foi, malgré tout. Si, c'est joli, si, c'est moi, si, moi je le dis, donc c'est joli. On va mettre quelques fleurs, parce que c'est bien les fleurs. Des pionniers, pourquoi pas. Je sais pas c'est quoi que ça veut dire en français. Vous voyez, vous pouvez admirer mon très bon, ma très belle expression de la langue française. Hop, voilà, on met quelques fleurs parce que c'est bien les fleurs. Ok, une fois qu'on a ça, on a le reste du salon pour faire. Hop, alors on va faire déjà les canapés. Donc on va utiliser les blocs de laine bleue. Ok, on va venir les mettre ici comme ça. Pof, pof. Par exemple, dans mes souvenirs, il n'y avait pas de bloc ici, mais
peut-être comme ça, ça paraît mieux, comme ça on voit bien qu'il y a deux canapés différents. Hop, ici comme ça on va faire un grand canapé aussi. On va utiliser maintenant du coup les dalles de quartz. Hop, parce qu'on n'en a pas vu suffisamment, tout simplement, sur la maison, il n'y en a pas assez, donc on en rajoute. Hop, comme ça, donc on a trois canapés sur notre salon, ce qui est plutôt déjà pas mal. On va rajouter un brasero avec des feux de camp, hop, campfire. Hop, voilà, et on va rajouter paf, 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 comme ça, peut-être plus dans ce sens-là. Ça fait beaucoup, sinon... Et on va rajouter des dalles comme ça de part et d'autre pour avoir vraiment un petit brasero. Apparemment, il y a des blocs qui permettent de faire des fumées beaucoup plus hautes. Donc ça, je sais que ça, la paille permet de faire des fumées qui vont bien plus haut que ça. Apparemment, je ne sais pas en tout cas. Et vous me direz dans les commentaires d'ailleurs s'il existe des blocs qui permettent, en mettant en dessous du coup évidemment des feux de camp, de faire en sorte que les fumées soient beaucoup plus basses, ou voire qu'elles n'existent pas du tout. Parce que c'est vrai que là, ça fait un peu beaucoup de fumée. Mais bon, pourquoi pas. Ok, donc il nous reste deux choses à faire. Déjà, la terrasse autour de la maison, puis les éclairages pour la piscine, puis après mettre de l'eau. Donc ça fait trois trucs. On va rajouter du coup des six lanternes, donc des lanternes de la mer. Hop, que l'on va mettre ici par exemple, comme ça, paf, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, c'est bon. Boing, 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 et on va aller mettre la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, paf. On va mettre la même chose ici. Hop, paf, non, paf. 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, alors je crois ici qu'il faudra s'arrêter là, ouais, parce que si vous voulez, la terrasse en bois qui va venir jusqu'ici va s'arrêter 5 blocs derrière notre partie ici, hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok, donc il n'y aura que les lanternes qui seront camouflées par la terrasse qui viendra là, qu'il faudra mettre tout simplement, parce que sinon après ça se verra à l'extérieur, ça sera moins sympathique. Partant du bord là-bas, en ayant 3 blocs ici de décalage, on ne peut mettre que 3 lanternes, d'accord. Bon, bah je crois qu'on est bon pour mettre de l'eau. Ok. Paf. Alors, water. Ok. Pouf. Alors on met de l'eau, hein. Allez. Ok, donc une fois qu'on a mis l'eau, alors voilà, ici on a une ouverture pour que l'eau puisse déborder après dans cette espèce de water feature, on va dire ça comme ça, que l'on fera juste après. On va faire la terrasse autour de la piscine ici, d'accord. Donc pour cela, on va mettre en réalité des dalles de bois, hop, de pin, ok, ou de sapin encore une fois, j'ai toujours pas... L'idée c'est de les mettre à ce niveau là, vous voyez, et de recouvrir toute la surface, hop, alors jusqu'à, comme on disait, 5 blocs derrière la maison, hop, ici comme ça, voilà, donc des blocs comme ça ici aussi. Ok. Donc on fait vraiment une terrasse surélevée. Alors l'idée ici aussi bien sûr c'est qu'on va devoir faire un escalier qui va permettre d'aller de la terrasse jusque dans le salon. On va faire ça rapidement déjà à une terrasse ici. Hop comme ça, hein, donc on fait la terrasse comme ça. Et à partir de là du coup on va faire des marches de 2 blocs de long. Et vous allez voir on va tomber pile poil. Ok, on en est là, paf paf, paf paf. Paf, paf, et paf, paf, et vous voyez, on arrive pile poil au bord du mur. Hop, donc voilà, ça permet d'avoir un petit repère. Si vous n'arrivez pas pile poil au bord du mur, c'est que ben, il y a eu un problème dans vos dimensions. Ok, donc on va continuer tout simplement la terrasse. Hop, jusque ici. En fait, l'idée c'est que à partir de là, il faut avoir
Il faut avoir une terrasse qui fasse un bloc de hauteur sur cette partie-là, ici, d'accord ? Et que donc, il faut arriver pile-poil à hauteur à ce niveau-là. Hop, donc on a une dalle qui vient ici, comme ça. Et hop, 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 on arrive à hauteur à ce niveau-là, comme ça. Youp ! Vous voyez ? À la limite, est-ce que ce serait pas bien de faire par deux blocs ? Non, je vais laisser comme ça. Donc, vraiment, l'idée, hein. Hop, paf. Pourquoi ça a cassé ici ? Youp, pouf, pouf, pouf. Voilà, donc là, je pense que c'est plus clair. Vous voyez, on remplit toute cette zone-là, tout simplement, avec des dalles de bois. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, on va prolonger la terrasse, tout simplement. On va vraiment faire les bordures de la terrasse. Hop, pour bien montrer où est-ce qu'elle se situe. Et elle va vraiment suivre les... alors, il faudra faire ça juste après. Hop, on va vraiment suivre la forme... Hop, des blocs qu'on a mis déjà à la base. Youp. Youp, comme ça. Et après, on longe la piscine. Hop, ok. Et vous voyez donc toute cette partie-là, toute cette zone que je viens de mettre ici, on va la remplir de blocs de bois de sapin ou de pin. Pour savoir, du coup, où est-ce qu'on s'arrête à ce niveau-là. Youp, je vais vous donner les dimensions. Paf. Paf, ok. Donc vous avez à partir de ce bloc-là, tout jusqu'au bord ici, 15 blocs en longueur. D'accord, donc vous vous arrêtez au 15e bloc à ce niveau-là. Un autre point de repère étant la ligne que vous avez ici. Vous vous mettez juste un bloc plus loin pour cette ligne-là. Vous voyez? C'est un repère comme un autre. Hop, et voilà. Donc, on remplit tout ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, du coup, on peut faire une petite marche ici, là, en dalle, le long de la terrasse pour aller sur le reste du jardin. On peut aussi mettre une petite marche pour aller de la terrasse ici à cette petite terrasse qui va être là, qui sera un petit peu différente. Hop, mais cette fois-ci, on va la faire en sandstone, une dalle de sandstone. Hop, comme ça. Et après, du coup, on va creuser le sol ici. Hop, tout le sol pour pouvoir mettre de la sandstone à la place. Peu importe le type de sandstone, hein, l'idée c'est que... Hop. Voilà, j'ai enlevé l'herbe. Et l'idée c'est d'avoir... Hop, de la sandstone ici, comme ça. Hop, vu du dessus. Ok. Alors, je précise aussi, mon pack de textures est en téléchargement, en libre téléchargement, dans la description de la vidéo. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans la description. Donc, si jamais vous avez envie de le prendre, bah, vous pouvez le prendre. Le pack de textures que j'utilise ici n'est pas différent, ne dénature pas Minecraft de base, le pack de textures de base. Donc, du coup, même avec le pack de textures de base, vous pouvez très bien utiliser les mêmes blocs que moi. D'accord ? Si vous êtes sur des consoles, par exemple, où vous aurez plus de difficultés à obtenir des packs de textures. Mais c'est la même chose, hein, vous inquiétez pas. Boing, là, par exemple, vous pouvez aussi utiliser des dalles. Ça vous coûtera moins cher en survie pour réaliser ça. Bon, même si, à mon avis, vu la quantité de blocs dont vous allez avoir besoin pour faire la maison, ça sera juste... une petite poussière, hein, dans votre dans le budget de la maison. Hop, paf, paf, paf. Voilà, donc là, on aménagera ça un petit peu plus tard. C'est vraiment pour dessiner les grands éléments pour l'instant. On va utiliser du podzol, vous voyez, pour mettre du coup, pour remplir cette partie-là, vous voyez. Donc on va vraiment mettre du podzol partout. Sur mon pack de textures, du coup, le pot de sol, il ressemble à des feuilles mortes posées sur le sol. C'est pour ça que c'est vraiment aussi très joli. Et plus que moi, j'aime bien ce bloc de toute façon. Ok. Voilà ce que ça donne. Donc, du coup, on a, si on regarde bien, une connexion de texture entre le bois, la pierre et le pot de sol qui sont tous au même niveau. Et donc, du coup, bah, ça fait une connexion de texture qui n'est pas très très jolie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les dalles de pierre lisse, et on va les mettre ici comme ça, le long de notre pot de fleurs. Hop, paf. Et comme ça, ça nous donnera un minimum de relief qui nous permettra de casser cette espèce justement de connexion de texture entre les deux.
ce qui est plutôt pas mal. On va finir notre terrasse en bois de l'autre côté de la maison, par là-bas. Ok. Youp. Ici. Et il faudra utiliser des dalles. On va venir mettre en escalier le long de notre... Hop, de notre terrasse. Hop, comme ça. Voilà. Et on va venir faire dans le sol. On va venir creuser dans le sol. On va juste laisser, hop, deux blocs ici comme ça où on ne va rien mettre du tout. On va laisser en herbe ici comme ça, d'accord. Et sinon, toute cette zone là, on va la transformer. On va la mettre en bloc de bois de pin, d'accord. Ou de sapin, encore une fois. Et une fois que l'on a ça, en fait, on va vraiment boucler la boucle en mettant dans notre socle ici, comme ça directement, un escalier qui va venir, hop, sur 5 blocs ici. Hop, hop. Voilà, pour permettre de remonter dans la maison, et c'est pour ça qu'on avait une ouverture ici. Vous voyez, pour pouvoir accéder à cette terrasse-là et à la partie de l'escalier. Hop, on met ça en dalle de bois de pierre lisse. Hop. Alors, on va aussi, du coup, reprendre, hop, les pierres lisses comme ça, pour éviter d'avoir des trous sur le côté de notre escalier. Hop. 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 Ok, vous voyez. Donc, une fois qu'on a ça, on a vraiment notre terrasse, vous voyez, à ce niveau-là, qui est reliée à celle-là, qui est reliée tout ici comme ça, tout du long, qui serpente un peu toutes les parties de notre jardin. Donc, eh bien, il est le temps, en fait, de s'occuper de ces deux dernières piscines. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre les murs de cette partie-là à 2,5 blocs de hauteur. Donc on va venir ici et on va venir mettre, hop, les murs comme ça. Donc on a déjà un bloc de hauteur, hein, comme on avait mis au départ. Hop, paf, paf. Hop, oula, presque un sans faute. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf. Et donc... on va rajouter une dalle supplémentaire. Et l'idée ici, dans cette grand pot de fleurs, finalement, on va faire un espèce de mini paysage. Hop. 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 On va faire un mini paysage dans lequel l'eau de la piscine ici va s'écouler pour se faire filtrer, par exemple, ou autre. Et après, elle va retomber encore dans un autre bassin, dans cette autre piscine-là, qui, elle, sera une véritable piscine, pour le coup. Là, c'est plus, effectivement, un paysage botanique qui va servir à filtrer l'eau et à toutes ces choses-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre bloc de terre favori et on va venir mettre des... déjà, je pense que le mieux... par quoi commencer, ce serait de mettre une couche de sable en fond de notre pot de fleurs ici, comme ça. On va vraiment mettre une couche de sable partout. Allez hop, on fait ça rapido. Et une fois que l'on a ça, on va venir faire un espèce de petit chemin, hop, avec, hop, l'herbe, les blocs d'herbe pour pouvoir, ou de terre, hein, pour ceux qui sont en survie, pour pouvoir, hop, amener l'eau... hop, jusqu'ici là par exemple, où on va ouvrir sur deux blocs de hauteur. Hop, par exemple ici comme ça. Vous voyez, donc on va faire un serpentin un peu comme ça. Vous voyez, et après on va aussi faire un peu toute une sorte de petit marécage en fait autour de cette petite rivière. Hop, voilà comme ça. Donc là on va partir de ça. Ok, on va aussi rajouter, déjà dans un premier temps, on va peut-être mettre de l'herbe partout, ça nous permettra d'y voir plus clair. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier,
la première version en fait de notre petit canal. On va venir par exemple ici. Vous voyez, c'est surtout un exemple hein, que je vous montre là. Il y a pas, vous pouvez faire un peu différemment bien sûr. Paf. Et à partir de là, continuer. Hop. Notre espèce de petit ruisseau ici comme ça pour qu'il aille tout jusqu'au fond là-bas. Hop, il peut venir un peu ici par exemple. On peut le faire venir jusque là. Vous voyez, et là du coup, partout où on a mis des trous, ce sera l'eau qui viendra à ce niveau-là. Et donc du coup, on aura vraiment beaucoup d'eau partout. Voilà, ce qui sera pratique. Hop, déjà premièrement, on met de l'eau à ce niveau-là pour que ça tombe, voilà, pile dans notre petite rivière. Hop, voilà, on met de l'eau partout. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre un petit peu de végétation hein, dans notre espèce de petit marécage. Donc, on va d'abord mettre des fleurs. Hop, paf, paf, un petit peu éparpillé. Hop, voilà, pouf, pouf. Ah, j'ai pas réussi à cliquer. Hop, hop, hop. Voilà, donc en lilas par exemple, ou sinon des petites fleurs rouges ou des petites fleurs. Vraiment, on va essayer de mettre beaucoup de diversité dans cette espèce de petit jardin botanique. Enfin, c'est le principe hein, d'un jardin botanique, tu me diras. Voilà, donc là j'ai mis des tulipes, on va mettre aussi voilà, des bluets. Hop. Hop. Hop, hop. Voilà, un petit peu. Hop. On peut aussi rajouter quelques bambous. Alors évidemment, les bambous, ils vont pousser. Et il suffira de les couper lorsque vous auront atteint la taille que vous voulez en fait, pour pas être complètement envahi de bambou aussi. Ok, évidemment. Voilà, quelques herbes. Pas trop, hein, il faut vraiment être assez parcimonieux. Hop, hop. Hop, 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 et hop. Et ah oui, du coup évidemment, on peut aussi mettre des végétations dans la mer, hein, dans la flotte directement, avec quelques nénuphars et quelques algues aussi. Ok, paf, 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 et quelques algues, algues par-ci par-là. Hop, là on peut être un peu plus généreux vu que bon, il n'y a pas tellement grand-chose à mettre dans l'eau. Hop. Voilà, donc pour l'instant on a déjà pas mal de couleurs. Ce que l'on peut rajouter, ce sont évidemment des petits palmiers, des petits cocotiers avec quelques cannes à sucre aussi d'ailleurs. Voilà, des cannes à sucre, hop, et du bois de la jungle et des feuilles de la jungle pour faire des petits palmiers dont j'ai un peu la spécialité, voyez-vous. On va aller faire ça. Pouf, on prend des bois de la jungle, genre ici, paf, 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 paf. On en fait quoi, 5, 6, 7... 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur. Et on va faire une petite coiffe avec des feuilles. Hop, comme ça. On va faire partir des feuilles un peu comme ça, voyez-vous. Hop. 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 Et allez, encore une petite dernière. Voilà. Vous voyez ? Des espèces de façon de faire comme ça, ça permettra, hop, d'avoir une un petit palmier sympathique. On peut en mettre un autre sur le côté, fait de la même façon, genre voilà, là où il y a de la place, un peu plus haut, histoire de donner un petit côté un peu plus, un peu irrégulier au jardin. Allez, on fait la même chose. Et voilà, donc... On reprend la canne à sucre et on va pouvoir en mettre un petit peu sur les bordures de notre canal, de notre petite rivière. Hop. Voilà, comme ça c'est tout joli, tout mignon. Et on aura, une fois que les bambous auront poussé et que les cannes à sucre auront poussé aussi, une jolie petite... un joli petit bassin, n'est-ce pas ? Alors d'ailleurs, en parlant de végétation, c'est vrai que la végétation qui est censée être sur le pot de sol ici, je l'ai complètement zappé tout à l'heure. Donc on va faire ça maintenant. On va venir prendre, vous voyez, des hautes herbes, ainsi que des fougères et des petites fleurs blanches comme ça.
Et c'est tout. On va juste prendre uniquement ça. Ça permettra d'avoir une espèce de petite excentricité de ce pot de fleurs là qui est vraiment complètement unique dans son style, dans la construction de la maison. Hop, paf, 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 paf. Allez, on met quelques fleurs posées aléatoirement. La même chose avec les comment ça s'appelle, fougères. Hop, et la même chose avec les herbes comme ça. Ah voilà, donc j'ai cliqué à la place de fougères, donc forcément. Hop, rajouter quelques fougères par-ci par-là pour être bien. Quelques fleurs aussi. Parce qu'il y a quelques zones que j'ai un peu laissées. Ah zut. Voilà. Et ben ma foi, c'est pas joli ça. On va faire la dernière piscine du coup. On va déjà creuser dans cette piscine là à 3 blocs de profondeur. Donc, youp. 1, 2, 3. Voilà. Donc 3 blocs ici comme ça. C'est la profondeur qu'il va nous falloir atteindre. Hop, il faudra aussi bien sûr creuser en dessous des limites, hein, en dessous des murs. Pour pouvoir hop, changer les blocs qui ira ici aussi. Hop. Voilà, donc on creuse vraiment tout ça. On fait un gros trou, hein, tout simplement. 2-3 blocs de profondeur. Voilà ce que ça donne, hein, du coup. Donc vraiment avec les murs en dessous aussi, hein, vous voyez, dont on a enlevé la terre. Et effectivement, comme la map a été terraformée de manière bourrine, bon, moi j'ai des espèces de grandes cavités comme ça, mais normalement ça vous avez pas. Alors, on va prolonger tout simplement les murs en blocs de pierre lisse comme ça. Bah jusqu'au fond, hein, tout simplement. Jusqu'au fond de la piscine. Hop, alors ça j'ai pas enlevé. Youp. Voilà, donc on fait ça sur toutes les parois. Ici, ici, là-bas au fond, là ici. Pareil ici. Hop, vous voyez. Hop. Donc voilà aussi, j'ai mis un petit bloc de verre à ce niveau-là pour empêcher l'eau de tomber. C'est plus pratique pour creuser, tout simplement. Mais voilà, normalement, il n'y a pas ça. Hein. Allez, on fait ça partout. Et voilà, c'est d'un seul coup beaucoup plus propre, n'est-ce pas? On va rendre ça encore plus propre en reprenant glou glou glou, le béton bleu clair, ok, pour pouvoir le mettre en fond de la piscine, encore une fois. Donc on va venir, hop, mettre du béton bleu, pareil, partout au niveau du sol de notre nouvelle piscine. Allez hop, on fait ça aussi. Hop, donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre de l'eau déjà, hein, évidemment, plus de l'éclairage et quelques murs en verre, en fait, que l'on va mettre ici aussi. Donc, hop, on va mettre des éclairages tous les 4 blocs, encore une fois. On laisse 3 blocs par rapport au bord du mur et 1, 2, 3, 4, paf. 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf. Ok, la même de l'autre côté, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 4, paf. Oh, la pile dans l'angle, 1, 2, 3, ah oui, alors attends, youp, youp, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf. Ok, autre petite chose. On va reprendre les blocs de verre et on va venir mettre sur cette ligne-là, hop, du bloc de verre à la place de la pierre. La même de l'autre côté. Hop. Hop, comme ça, d'accord. Ce qui nous donne une piscine beaucoup plus stylée d'un seul coup, évidemment. Hop, alors, paf, paf, on enlève ça ici. Normalement, vous avez l'eau, effectivement, qui coule là-dedans. Donc là, pareil, on va utiliser, hop, des petits seaux d'eau pour remplir tout ça. Voilà. Donc, on a notre deuxième piscine de fête. Donc là, vraiment, c'est plutôt pas mal. On a vraiment notre grande piscine ici, dont l'eau coule dans notre bassin à ce niveau-là, qui recoule dans l'autre piscine. Moi, je trouve ça cool. Donc, pour donner un petit peu plus de vie, on peut rajouter quelques, hop, hop, quelques transats, enfin des transats, mais comme si c'était des frites ou des bouées qu'on mettait dans l'eau, vous savez,
des matelas gonflables. Ah, je sais plus comment on appelle ça. On va utiliser en tout cas des dalles et des tapis pour pouvoir faire, pour pouvoir simuler ce genre de choses. Des lits gonflables qu'on pose sur l'eau, quoi, vous savez. Paf, paf, en orange par exemple, ou en rose, peu importe. Voilà, c'est histoire de donner un petit peu de vie à notre piscine. D'ailleurs, il y a les membres du serveur ici qui m'ont fait un petit canard en bouée. Bouée canard, voilà, c'est ça. Avec du coup des blocs jaunes disposés en cercle, pour ceux qui ont envie de le refaire. Une sandstone en dalle à l'intérieur. Des petites des trappes sur les côtés pour faire les ailettes. Deux blocs jaunes au-dessus. Une dalle et un bouton pour de chaque côté pour faire un peu la tête du canard. Si jamais vous avez envie de faire ça, n'hésitez pas, c'est pas moi qui l'avais fait à la base. Du coup, ce que l'on peut faire aussi, comme on peut le voir là-dessus, ce sont des transats, des bronzates, pardon, que l'on peut faire d'une façon un petit peu différente. Je vais vous montrer ça tout de suite, sur le côté de notre terrasse ici, du coup. Pour faire des nouveaux bronzates, donc, c'est-à-dire que, pour la petite astuce, les bronzates que j'avais fait à ce niveau-là, vous voyez, on avait le sol très très blanc, d'accord, en bois de bouleau. Et donc j'ai utilisé des bois, des dalles de bois en sapin pour avoir un contraste très fort. Là c'est très foncé, là c'est très blanc, donc ça ressort bien, d'accord. L'idée ici c'est que là c'est différent, on a le sol qui est très sombre, et donc l'idée c'est d'utiliser des dalles qui elles ressortent bien en sandstone ou en bois de bouleau, et de refaire la même chose, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, avec sur le côté non plus des pots de fleurs, mais un œuf de tortue. Alors en survival, c'est ultra galère à avoir ça. Ça, je veux bien admettre. mais voilà, ça ressort par rapport au sol en fait. C'est pour ça que j'ai mis ça. Avec un pot de fleurs, je vais vous en mettre un juste à côté. Hop, vous allez voir, ça ressort mieux au niveau des couleurs. Vous voyez, quand on est plus loin, bah vous allez pas me dire l'œuf de tortue ressort beaucoup mieux que le pot de fleurs. Donc voilà, c'est question d'esthétique. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, des bronzates hein, évidemment. Paf, paf, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Voilà. Et ça vous donne un petit peu de vie dans votre maison. Alors ici, là, au niveau de notre terrasse en sandstone, on va pouvoir mettre un... Comment on appelle ça? Un salon. Un autre salon encore. Encore un autre. Mais beaucoup plus sophistiqué celui-là. Véritablement, on va faire... là, on va lâcher les chevaux. On va faire ce qu'on voulle. On va prendre des murets en andésite. Ok. On va venir hop, prendre les blocs directement sur mon modèle. Parce que comme ça, je ne serai pas besoin d'aller chercher 50 ans. On aura besoin de stone lisse en dalle. On aura besoin de chêne. On aura besoin d'un silanterne. De tapis. Hop, j'arrive pas à voilà. Ainsi que de ficelles. Des escaliers en machin comme ça. De la neige sagée. Et donc là, le reste, ça devrait être bon. Ok, vous voyez, l'idée, c'est de faire des grands canapés comme ça, extrêmement sympathiques, comme vous pouvez le voir. Une table très design. Et un parasol, ma foi, ultra swag, encore une fois. Alors, on va venir utiliser tout simplement les escaliers. Pouf, 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 comme ça. Peut-être un bloc derrière. Ok. On les centre à peu près au milieu de la terrasse. On va faire un... voilà. Une table comme ça, avec du coup des tapis en dessous et des tapis au-dessus qui sont reliés sur le... Enfin, qui sont mises aussi sur les dalles comme ça, ce qui permet d'avoir une table, tout simplement. Un effet de table assez sympathique. On va utiliser évidemment aussi la neige par devant notre... Hop. 1, 2, 3, 2. Voilà, devant notre escalier pour faire vraiment un effet d'assise de... canapé particulièrement, encore une fois, sympathique. Hop, la même chose de l'autre côté du coup. Paf, paf. Alors, 1,
2, 3, 4, ok. La même chose ici, 1, 2, 3, 4. Ok, vous voyez, d'un seul coup là, ça rend plutôt bien. On va utiliser du coup les barrières, les murets d'andésite. Ok. Et on va utiliser les dalles, hop, comme ça peut-être, de stone. Hop. Quoique, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était bien comme ça. Voilà. Décidément. On utilise les petites chaînes. Paf, paf. Au-dessus d'une scie lanterne. Et on va utiliser en fait les ficelles qui ont la bonne particularité de pouvoir être quasiment invisible et de pouvoir s'entourer, enfin se mettre un peu où on veut pour porter des tapis. Les tapis n'ayant pas la bonne idée d'être un peu... Hop, de pouvoir flotter dans les airs comme les autres blocs de Minecraft, parce que c'est, je sais pas, c'est des blocs rebelles. Alors du coup on va utiliser les tapis blancs, ok, donc on va mettre ça partout autour de notre lanterne de la mer, quoique en fait il faudrait vraiment mettre une ligne comme ça en plus. Ok, c'est pas forcément évident à voir, j'espère que sur YouTube vous voyez bien l'idée. Hop, voilà, ok, vous voyez, ce qui est pas mal, hein. Franchement, moi j'aime bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ok, maintenant il nous reste vraiment que les menus détails de la maison, mais quand même des détails importants, c'est-à-dire qu'on va faire la clôture. Donc en gros, je vais vous dire ce qu'il reste à faire, hein. La clôture autour de la maison pour avoir vraiment une vraie clôture, quoi. L'effet tondeuse, l'effet pelouse tondue du coup sur le sol, les arbres, et on aura une petite terrasse encore là-bas, si vous voyez bien, à faire. Enfin, c'est pas une terrasse, ça sera plus un coin pique-nique. Ok, donc let's go. Et on aura fini avec la maison. On utilise du coup de la diorite polissée, ou de la diorite polie, hop, avec des barres de fer et des tapis blancs, d'accord, que l'on va venir... J'arrive pas à utiliser... Ah, bon. Hop, voilà. On va mettre nos blocs de diorite ici, comme ça, du coup, dans la longueur de notre socle, ici, comme ça. Tout jusqu'à la route, ok. Hop, comme ça, on creuse un petit trou. Ok. On met de la diorite tout du long. Voilà. On met de la diorite tout du long. Une fois qu'on a ça, alors juste, je me rappelle plus des écartements que j'avais utilisés. Alors, 1, 2, 3, tous les 3 blocs, d'accord. Voilà, donc on va partir d'ici, ok, juste du bord de la route. On va faire des piliers de 2 blocs de hauteur. Et tous les 3 blocs, vous voyez, on va espacer de 3 blocs chaque pilier. Comme ça, paf, 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 paf. Voilà. Une fois qu'on a nos piliers comme ça, on va utiliser des barres de fer pour mettre comme ça, hop, non seulement au niveau du bas, mais aussi au niveau du haut, hein, sur 2 blocs de hauteur, les barres de fer, bien sûr. Ok. Voilà. Et donc, on les met tout du long. Voilà ce que ça donne. Et par-dessus tout ça, du coup, on va venir rajouter des tapis blancs, hop, paf. Paf, alors je m'aligne bien et après c'est bon, ça roule. Ouais, enfin ça roule presque. On met ça tout du long encore une fois. Et vous allez voir que ça va donner un effet assez intéressant. Voilà, bah, voilà. Évidemment, quand on les place où il faut, hein, bien sûr. Moi, je suis quasiment au bout. Hop. Et vous voyez que eh ben, ça délimite plutôt bien. Enfin, c'est fait pour ça, hein, mais ça les délimite bien. Le jardin et le reste de la maison. Donc je vais vous dire où est-ce qu'on va placer ces différentes barrières. Et puis après, évidemment, ce sera exactement la même chose à chaque fois. Donc, on va prendre notre mur ici. Vous voyez, le long là. On va venir dans le sol, creuser, hop, tout jusqu'à la route.
Hop, voilà, et on mettra la barrière à ce niveau-là aussi, aussi. Hop, on prolonge à l'arrière, hop, comme ça. Hop. Et, en fait, on s'arrête un petit peu avant. Et ici, vous voyez, donc le bord du socle à l'arrière, on va le prolonger ici aussi dans le sol. Hop. Vous voyez, c'est pour ça que je vous avais demandé de laisser les deux blocs ici comme ça. Ok ? C'était pour avoir un bloc pour la barrière et un bloc de séparation entre la barrière et la terrasse. Comme ça, on distingue bien les choses. Vous voyez, donc on fait un trou comme ça où il faudra faire la barrière de la même façon. Et si vous remarquez bien, et c'est là un petit peu mon génie, tu vois ? Eh bien, c'est que le socle fait le reste de la barrière lui-même, finalement, et la barrière est dans le prolongement. Vous voyez ? Donc, on a vraiment... on a vraiment fait le tour. Allez, moi, je vais faire ça rapidement. Hop, diorite. Comment on appelle ça ? Diorite polished. Très bien. Et vous voyez ce que ça donne, du coup, maintenant. Hein. Dupe. Et ça quadrille vachement bien le plot de la maison. C'est fait pour ça, de toute façon, de toute manière. Alors, on va vraiment finir la maison. Et oui, ça a été une vidéo très longue, et c'est pas tout à fait fini, mais bon, quasiment, hein, on va pas se mentir. Donc franchement, rien que pour le travail effectué, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo, parce que, franchement, ça je le mérite. Là, sur le coup, je le mérite, faut pas déconner. Donc, on va continuer un petit peu. Ici, là, sur le bord de notre terrasse, on va utiliser des blocs de bois brut, ok? Et on va les incruster dans le sol. Hop. Voilà, comme ça. Et on va les mettre, en fait, face vers le haut. Voilà, comme ça. Et donc, on va faire une petite, un petit coin pique-nique, en fait. Regardez, on va faire un peu des chaises un peu comme ça. Alors on peut utiliser des dalles paf en quartz pour les assises. On va le déplacer juste de un bloc par l'arrière d'ailleurs, parce que je viens de me rendre compte que voilà, comme ça il y a trois blocs d'écart entre les deux sièges, ce qui va nous permettre de mettre des feux de camp entre les deux. Comme ça, ça nous fera un petit coin pique-niqueux, sympathique, tout ça. D'accord ? Ok, donc, on va rajouter, hop, ici, là, sur le côté, quelques petites, blocs de barrière, comme ça. 2, 3, paf. 3, 4, peut-être, pourquoi pas. 3, juste. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok, histoire de donner un petit peu d'intérêt, un petit peu de végétalisation. Enfin, on va utiliser du coup des bois de jungle, et c'est là où je vais vous montrer en fait maintenant comment je fais mes grands arbres. Vous voyez là-bas, hein. Alors je vous ai déjà montré une partie, donc comment faire des petits arbres, maintenant je vais vous montrer vraiment comment faire les grands arbres, ici là, comme ça, ok. Donc, il va y en avoir 5-6 quand même sur la parcelle. Je vous le montre une fois et après ça sera la même chose pour les autres. Ici on va en mettre un. Et on va le faire assez grand. Hein. Il faut qu'il dépasse du premier étage quand même assez nettement la hauteur du tronc. Donc là je ne sais pas exactement combien de hauteur j'ai mis. Je vais vous dire ça. Hop. Hop. Donc là j'ai mis 15 blocs en hauteur. Voilà par exemple. Donc... on va plutôt utiliser des blocs de feuilles de la jungle. Pour faire un palmier, c'est quand même plus intéressant. Hop. Donc voilà, la manière dont je vais le faire ici, ça va être exactement la même chose pour tous, hein, comme je l'ai déjà dit. Hop, donc on va faire un peu la même façon que pour les petits palmiers que j'ai déjà fait. Sauf qu'on va le faire pour... enfin, on va le faire en plus grand, quoi. Tout simplement, avec des plus grandes feuilles, avec plus de feuilles. Hop, tout bêtement. Hop, vous voyez. Hop. Voilà. Et ben, ça fait pas mal l'illusion. Au début, j'avais essayé avec des troncs
un peu en biais, un peu penché et tout ça, ça complique la vie plus qu'autre chose, honnêtement. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est, avant de faire plein de grands arbres comme ça partout, c'est de faire des lignes, en fait, dans votre sol, ou comme je l'ai fait, du coup, pour la maison ici, où j'ai incrusté des blocs de béton en poudre gris, vert, des blocs de poudre de béton verte sur le sol. Hop, donc on va laisser deux bandes en herbe classique, puis après une bande en béton. Alors oui, forcément, moi j'ai un trou en dessous, donc ça tombe. Mais c'est ça l'idée. Deux bandes en herbe, deux bandes béton, deux bandes en herbe, deux bandes béton, etc. etc. Et évidemment, ça, on le prolongera sur toute la surface de la maison. Je vous invite à faire ça avant de faire les arbres. C'est plus facile. Ce sera juste une question de pratique. D'accord ? C'est tout à fait possible de faire l'un ou l'autre avant l'autre. C'est juste que c'est plus pratique de faire des bandes en béton. Hop ! Avant. Voilà. Alors, je vous fais ça. Donc voilà, j'ai fait les trous dans le jardin. On voit que pour l'instant, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Hop, mais la magie va opérer. Hop, vous voyez. Hop, allez, on met le béton vert partout en poudre. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez qu'on arrive quasiment à la fin de la fin de la fin de la maison. Vraiment, il faudra faire aussi la même chose ici, hein, dans notre petit coin, à ce niveau-là. Et mettre la même chose que notre grand palmier ici un peu partout. On pourrait en mettre, alors moi ce que je vous conseille d'en mettre, c'est surtout sur les bords en fait, ici à ce niveau là des palmiers, ou de l'autre côté là-bas, mais pas tellement en plein milieu. Pourquoi? Pour une raison assez simple en fait, c'est que la maison est faite, vraiment elle est faite pour se la péter. C'est une maison qui est là pour dire moi je sais builder, j'ai des ressources, ça me fond la caisse, je suis un gros boss de la construction. Admirez-moi, voilà, c'est vraiment, c'est l'essence même de cette maison. C'est du prout-proutisme américain, quoi, si tu veux, voilà, si tant est que cette phrase a un sens. Mais si, ouvre tes chakras et au fond de toi, tu verras qu'elle a un sens. Donc, au niveau du sol, on a envie de voir quelque chose d'impressionnant. Si on met des arbres par devant, là, par exemple, notre pelouse, on va gâcher la vue et on ne verra pas la maison. On ne verra pas à quel point elle est magnificente, la maison. Tu vois, là par exemple, tu entres ici, bah tu sais tout de suite que t'as pas affaire à un clochard, tu vois. Et bien c'est ça qu'il faut garder et qu'il faut absolument conserver. Et que donc à ce moment-là, si tu mets des arbres par devant, tu vas gâcher la vue. Les gens ne verront pas à quel point t'es riche et donc bah du coup, bah c'est moins bien. L'idée ici, c'est qu'on va rajouter des arbres du coup sur le côté. Lié ici, comme vous pouvez le voir, on a des, comment on appelle ça, des, oh tiens d'ailleurs, ouh là là là, j'ai oublié un truc. On va prendre des piliers comme ça en blackstone. On va venir en mettre un ici, là. Paf, paf. Ici, là. Paf, voilà. Et on va le faire, hop, tomber jusque dans le sol ici. Ouais, ça, c'est un truc architectural aussi intéressant que j'ai failli oublier. Attention, surtout pas oublier ça. On va venir prendre, du coup, les blocs de bois de la jungle. Ok. Et de feuilles de la jungle aussi, exactement. On va venir mettre du bois, hop, comme ça, mettre un tronc à ce niveau-là. Hop, l'idée c'est que le tronc soit plus haut que la première terrasse ici, mais pas aussi haut que la deuxième, histoire d'avoir une hiérarchie dans les différentes hauteurs, et d'avoir des arbres de plus en plus petits jusqu'à temps qu'on avance vers la route, d'accord? Donc là, par exemple, on aura un arbre un peu plus petit, voilà, que l'autre là-bas, et ici, un arbre, voilà... encore un poil plus petit que l'autre. Vous voyez, je vous fais pas je mets pas les feuilles, hein, parce que je vous ai déjà montré comment on mettait les feuilles avec l'arbre là-bas. D'accord? On va rajouter un autre ici d'arbre. Hop là, tu vois. Pas trop trop haut, à peu près comme l'autre à côté. Ok? Et au final, eh bien vous avez ça, avec toutes les terrasses mises et tout et tout. C'est pas beau ça quand même? Bien si. Mais bien sûr que si, c'est magnifique. Sur ce, eh bien, on en a fini avec cette maison-là. Je pensais pas arriver vraiment au bout un jour. Et franchement, ça fait plaisir.
Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos screenshots de la maison si vous l'avez refaite complètement sur YouTube, hein, parce qu'on peut se partager des images aussi maintenant sur YouTube, ou j'essaierai de faire un Instagram ou quelque chose sur lequel vous pourrez partager vos vidéos et vos reproductions de la maison, ou des maisons que je fais en tutoriel de manière générale. N'hésitez pas. Sur ce, eh bien, merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot, et n'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de pouces bleus, de likes, parce que je me suis vraiment donné à fond pour faire cette maison-là, pour faire ce tuto. Donc vraiment, 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 n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Sur ce, les matelots, moi je vous laisse. On se retrouve la prochaine fois pour un autre méga build, d'autres constructions comme ça. J'ai envie de faire plusieurs tutoriels avec des grosses maisons et des gros hôtels et ce genre de choses en tuto. Donc la semaine prochaine, un nouveau gros build. Donc abonnez-vous. Bref, voilà, sur ce, je prends beaucoup trop de temps à finir ma vidéo. Bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine.